Bonjour YouTube, c'est une dinguerie, Punch Club 2 est enfin sorti, on va reprendre du début et cette fois on va lire le lore parce qu'on avait testé la démo, je crois qu'il y avait déjà une vidéo YouTube de Punch Club 2, la démo. Mais là aujourd'hui c'est officiel, Punch Club 2 est release. Il est release, donc c'est parti pour tester ça et voir ce que ça vaut, sachant que j'avais adoré Punch Club 1 et que j'avais adoré Graveyard Keeper par le même studio. Donc c'est parti pour aller faire des pompes, aller taper des gens méchants et lire des dialogues qui veulent rien dire. Je pense que j'ai bien résumé l'ambiance de Punch Club de toute façon. New game. Veuillez sélectionner la difficulté du jeu. La difficulté d'origine telle que voulue par les devs. Ce mode convient aux joueurs ayant l'habitude des jeux de gestion. Oui. Alors ils disent jeu de gestion mais... Flu-flu. Non. C'est le seul moyen. C'est un résumé du 1 ça je crois. Vous avez tué notre père et l'heure de la vengeance a sonné. Je suis ton père. Oui, c'est un résumé du premier jeu, c'est bizarre. Donne-moi ton autre patoun. Non. Oh non. Bah attends, mais ils ont pas le droit de faire ça. Oh, quel rêve étrange. Non mais alors attendez, là... Heureusement que c'est terminé. Et je peux avoir le jeu en grand écran ou pas? Attends, c'est bizarre là. Bonjour mon fils, tu as bien dormi? Oh, tu veux pas savoir. Encore des cauchemars, passe-moi les bonbons s'il te plaît. T'inquiète, c'est normal, ok. Parce qu'on est dans un flashback. Oh purée. Quelque chose ne va pas, mon biquet. Maman, t'es une grosse baveuse. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler à ta mère? Non mais sérieux, regarde. Les gens changent avec les années. Mais ce n'est pas le plus important dans l'immédiat. Oui, non, mais attendez, je peux bouger hein, si jamais il y a une histoire de dialogue, on verra où on va. C'est quoi le plus important alors? Rien de tout cela n'est réel. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. C'est vrai que l'histoire a l'air tellement... Mais papa, je ne comprends pas. On a l'air d'être dans le futur, mais... Papa, tu me prends vraiment pour ton père? C'est vraiment Hotline Miami, quoi. Qu'est-ce que t'as fait de mes parents, crinière galeuse? Tu vas faire quoi, hein? T'exploser la tronche? Ah ouais? Tu me fais pas peur! Je tabasserai tous ceux qui mettront ma famille en danger! Tous? Tous? Allez, gamin! Là, il faut que je change le titre et le jeu aussi. Frappe-moi à la tête, c'est un ordre! Ah, mais... Qu'est-ce que... Qui... Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu frappes comme une fillette. Toi, t'es allé voir le film Barbie, hein? Je vais te montrer une vraie frappe. Vivement qu'on lui casse la gueule à ce misogyne. Envie de casser la gueule à des misogynes. Me souviens de cet endroit, je l'ai vu dans mes rêves. Parfois, toute une vie semble se réduire à un seul instant, un seul combat. One moment. Et le combat qui t'attend ne peut être remporté à coups de poing et de pied. Ni même avec un gros pied de biche, mon fils. Papa! J'ai peur, je ne peux pas y arriver sans toi. Tu n'as pas le choix. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Retrouve-moi dans la ville haute. Ah oui, c'était un écran de télé, en fait. Hein, j'ai rien compris. Prologue. Quitter le nid. Merci, Colune, pour les 10 mois. Merci pour les streams. Voilà un peu d'argent pour les croquettes de Roscoe et le PC d'Aeterna pour que stream du pixel art. Trop bien, ouais. Quel rêve chelou. Ah, c'est reparti pour le train-train quotidien, là. Donc on a l'air d'être dans le même univers que le premier jeu, sauf que cette fois, on est dans le futur, je crois. Hein. Bonjour, mon bon vieux tapis. On est au max du son, là. Hop là, petite pompe. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je me mette, j'ai faim. Je sais pas où faut se mettre dans ce jeu. Le taxi du cinquième élément. Bonjour monsieur Strib, c'est l'heure du petit déjeuner? Requête invalide. C'est la première fois qu'il fait ça, on va réessayer. Requête invalide, nourriture indisponible. Putain, j'ai mis du son alors qu'en fait c'est déjà fort. Il est peut-être coincé. Allons monsieur Strib, mettez-y un peu du vôtre. Requête invalide, nourriture indisponible. Ah, cette situation a nécessité les compétences d'une personne plus qualifiée. Maman, maman! Maman, réveille-toi! Hein? J'ai faim. Ah bah débrouille-toi avec le distributeur de bouffe. Hein. J'ai essayé, il arrête pas de dire nourriture indisponible. Faudrait peut-être appeler un réparateur, non? Bah il serait sûrement surpris de s'apercevoir qu'on soit arrivé à obtenir à manger. Hein.
Tu veux dire que depuis tout ce temps, on vole notre nourriture? Bah bien sûr que non, voyons. Ouf. Bah c'est juste qu'on la paye pas, quoi. Mais c'est littéralement du vol. Tu t'attendais à quoi? Je suis qu'une pauvre femme, je suis malade. Bah c'est reparti. Qui a sacrifié les plus belles années de sa vie pour un homme qui... Maman! Je l'ai abandonné en cloque. Alors commence pas avec ça, je vais aller demander à Henri, c'est comme ça, hein. Sans un mot, sans la moindre explication, je t'ai élevé toute seule, du mieux que j'ai pu, alors forcément il a bien fallu que je me débrouille. N'importe quelle mère aurait fait la même chose. Allons chez Henri. Salut Henri. Eh, c'est mon voisin préféré que voilà. Quoi de neuf? T'es venu voir un bon petit film à l'ancienne là? En fait j'ai un petit problème. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu moi Henri, hein. Ça fait peur, il a la même gueule. Distributeur de nourriture ne marche plus. Ah, t'as essayé de taper dessus? Bah je crois qu'ils l'ont bloqué, apparemment ça faisait un moment qu'on piquait la nourriture. Ah ça craint ça, tu t'en savais rien, pas vrai? Bah qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger maintenant? Bah tu peux toujours aller chercher quelque chose à l'épicerie, tu sais. Mais elle se trouve en dehors du quartier, maman me laissera jamais y aller. Ah sans vouloir manquer de respect à ta mère, t'as largement l'âge de te débrouiller tout seul. Mais elle aura aucune objection à ce que t'ailles acheter un hamburger pour ton voisin préféré. Ah je suppose que non. Tiens, utilise la monnaie pour te payer un petit déj, d'accord? Mais ah, l'épicerie est juste au coin de la rue, ah, t'es plus un gamin, c'est bon. Henri Chaillou. Henri de crever. Eh bien le bonjour. Y aurait-il un problème? Vous êtes une tête dans un bocal et vous parlez? Eh oui, oui, mon ami, quel sens d'observation, que puis-je pour vous? J'achète. Ok, l'ami, appuie sur le bouton vert pour acheter les articles. Je sais que tu peux y arriver, sinon comment aurais-tu fait pour obtenir ce jeu? Tu l'as tout de même pas chopé en torrent, n'est-ce pas? Parce que tu sais que c'est illégal, hein. Non, non. Pourquoi êtes-vous dans un bocal? Ben en fait, j'avais prévu de m'acheter le corps d'un jeune athlète. Et j'ai donc vendu mon ancien corps avant de pouvoir m'acheter son remplaçant. La crise économique a éclaté. Et puis, je suis baveuse. Le marché de l'alimentaire s'est effondré et je me suis retrouvé coincé comme ça. Présentez votre puce avant de procéder à la vérification de paiement, s'il vous plaît. Quelle puce? Eh, votre puce SBC, évidemment. Mais j'en ai pas. Ben, c'est ridicule, voyons. Tout citoyen en a une. Allez, présentez-la moi, là. Un problème, Apou. Ah, bonjour, monsieur Bobo Junior. Avez-vous l'intention de me dévaliser une fois de plus? Ouais, ouvre la caisse, s'il te plaît. Un braquage? Hors de question que je le laisse faire. Je vais vous sauver, monsieur Bocal de Corniche qui parle. Hein? Hein? J'ai dit. Ouais, très bien entendu. Ouais, très bien entendu. Et moi, je te conseille de prendre cette barre au chocolat et de dégager. Parce que je suis un véritable héros. Minute, c'est un sneaker. Cool, vraiment, tu vas me le donner comme ça, là? Prends-le, c'est bon, je vais dévaliser la boutique et je m'en prendrai d'autres au passage. Ah, c'est vraiment trop gentil, merci. Bah oui, ouais, je vous interromps, mais où serait-il possible d'en revenir au braquage? Ah, j'ai failli oublier. Défends-toi, salopard, attentionné. Merci Gunien pour les 39 mois, je t'ai oublié tout à l'heure, des bisous. Tu peux insérer les capacités dans les emplacements prévus à cet effet. Chaque colonne correspond à une spé, utilisant une capacité d'attaque. Coup de pied, moi je suis coup de pied man. Des capacités différentes activeront différentes écoles de talent. On met 3 coups de pied, en défense, j'ai pas de quoi mettre de la défense pour l'instant. On est en école de base. Ah, lui il a toutes ses attaques là, mais je vais me faire fumer en fait. Hop là, triple coup de pied. Ah ouais, voilà, bah, je me fais défoncer, je suis bien. Merci Segbot pour les 23 mois de prime et Carco pour les 13 mois de prime, bisous, bonsoir. 1.0 est sorti, ouais. Il faut XP dans le jeu là. Defeat. Effet, vous avez combattu récemment, vous êtes encore électrisé, donc plus 3 d'énergie malveillante par jour, j'ai l'impression, hein. Et maîtrise du coup de pied, plus 6, une attaque puissante qui nécessite pas mal d'énergie. Bon, je me suis fait fumer quoi. Arrêtez ça tout de suite, vil délinquant! Mais je. Mais il. Ah, je ne veux pas le savoir, c'est le droit du point. Je vous emmène tous les deux au commissariat. Merci de pas avoir cafeté, mon pote. Ça aurait vraiment fait tâche dans mon SBC. Ah, les mouchards ont tendance à mal finir. Ah, n'empêche, tiens quand même à te remercier. Passe donc à la ferme à baveuse, t'as besoin d'un boulot. Ah, prendre... Plus à propos du travail. What, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dis-moi, gamin, qu'as-tu fait de ta puce SBC? J'en ai jamais eu, monsieur. Je sais même pas ce que ça signifie SBC. Mais comment donc, ça reste possible? Bah ma mère m'a jamais laissé sortir de la maison et... Bah c'est dingue ça, ton père aurait certainement pas approuvé. Vous avez connu mon père, maman a toujours refusé de me parler de lui. Qu'est-il arrivé à mon père? C'est un combattant, un des meilleurs, pour le reste c'est confidentiel. Mais monsieur j'ai besoin de savoir, c'est très important. Pour accéder à ce genre d'infos, faut devenir policier gamin. Bah si vous le dites, je suis prêt hein. Oh ouais, calmos, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu dois d'abord atteindre les 2000 points de SBC et connaître toutes les lois. Bah devenir policier ça pourrait être délire. Pour ce qui est de ce petit accrochage chez Apu, disons que ça ira pour cette fois. Youpi! Mais il est hors de question que tu quittes ce commissariat sans une puce dans la tête. Mais comment être sûr qu'elle servira pas à me contrôler à distance et me foutre la 5G? J'adore ce gamin, c'est précisément sa fonction, mais c'est pour ton bien, écoute. SBC, ça signifie score de bonne conduite. Plus t'as de points, mieux c'est. À partir de 9000 points, t'es officiellement reconnu comme une personne convenable. Ça te permet donc d'accéder à la ville haute, là où tous les rêves se réalisent.
Comment puis-je gagner des points ? En général, les gens gagnent des points d'SBC via des œuvres de charité ou pour des contributions à la science, aux arts. Ça marche avec les tournois d'arts martiaux ? Ouais, dans ton cas, c'est probablement la meilleure option. Ouais, temps de faire de toi un membre officiel de notre glorieuse société. Là, te voilà désormais équipé d'une puce. Ah, ce combat semble t'avoir mis sur les rotules. Tu devrais peut-être manger quelque chose. Un criminel sympa m'a offert une barre chocolatée. Eh ben, mange-la. Je me souviens de l'époque où je pouvais encore faire ça. Oh, la douceur de la nougatine. Et toi, t'as la dalle, jette un coup d'œil à ton multi-passeport. Il y a peut-être quelque chose de comestible là-dedans. C'est là que tu pourras retrouver toute la nourriture que tu auras pu récupérer. Ok. Choisis ce que tu veux manger. Donc, ça donne 15 de vie, je crois. Non, 15 de bouffe, c'est le truc, ça veut dire bouffe. C'est comme un gigot, quoi. Et d'énergie. Délicieux, mais n'abuse pas du grignotage, mon grand. Maman pourrait se mettre en colère. Oh, une dernière chose. Tout combattant se doit d'aller faire un tour au gymnase Silver. C'est le meilleur endroit pour s'entraîner. Ok, mais d'abord, je dois avoir une petite discussion avec ma mère, là. Ça se crée au gymnase. Donc là, si vous voulez vous faire peur de ce jeu, c'est très simple. Faut juste que je trouve le bon menu. Est-ce que j'ai le menu des quêtes quelque part, là? J'arrive pas à trouver le menu des quêtes. Objet de quête. Je sais pas où c'est. Ça, c'est la map. Je peux pas aller là-bas. Faut que j'aille chez ma mère. La flèche tout en haut. La flèche tout en haut? Quelle flèche? Où étais-tu passé? Je me suis fait un sang d'encre. Pourquoi m'as-tu raconté des mensonges à propos de mon père? Quoi? T'avises pas de me parler sur ce ton, sale mioche. Dis-moi la vérité, je t'en prie, il a disparu, c'est ça? Eh bien, ton père était un combattant. Le plus grand qu'on ait jamais vu, peut-être un peu trop grand même. Juste après que je sois tombé enceinte, il s'est inscrit au plus important tournoi de la planète. J'ai essayé de lui annoncer la nouvelle, mais il n'a rien voulu t'entendre. Ou voulu entendre. Plus tard, Adri, je dois rester concentré. Pff. Évidemment, il a gagné. Juste après ça, il a disparu. Est-il parti? A-t-il été assassiné? J'en sais rien, mais pour moi, c'est du pareil au même. Il s'est jamais soucié de moi, de nous. Pourquoi devrait-on s'en faire pour lui? Maintenant, dis-moi où étais-tu passé? J'étais à la police. Ils savent quelque chose sur lui, contrairement à toi. Ils ont accepté de me recruter. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est se cogner dessus ou cogner sur les citoyens. Comment qu'ils appellent ça déjà, le droit du poing? Tu vas juste te ramasser des bleus et des bosses. Et que veux-tu que je fasse d'autre, que je devienne ingénieur spatial? Si la ville ne vit que par le poing, je deviendrai le plus grand pointeur, cognard, le plus grand youtubeur. Je suivrai les traces de mon père et puis voilà. Hein, mais... Y'a pas de mais. Toute ma vie, t'as fait que me réfréner. Alors maintenant, excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Merci, j'ai mal au cou pour les 21 mois de T2. Bon courage pour la vie malheureuse. On prend soin de nos petits animaux, c'est vrai. Des gros bisous, merci beaucoup. Merci Colinaros pour les 2 mois aussi. Non, j'ai toujours la dalle. Tu ferais mieux de grignoter quelque chose avant d'y aller, mon grand. Kit culinaire, de la nourriture du magasin doit être préparée avant d'être mangée. Donc si vous voulez quelque chose de bon, préparez-le. Le temps de préparation est indiqué ici. Donc 1h30 in-game, c'est nettement plus sain et consistant que les trucs de fast-food. Ça, maman te l'a déjà dit, pas vrai. Pour manger quelque chose, appuie sur le bouton, l'ami. Te voilà prêt à accomplir de grandes choses. Voyons ce que ce nouveau monde te réserve. Ouvre ton multi-passeport. Voyons un peu ton arbre d'histoire. Ah bah voilà. Ah, ton arbre de quête. Tu peux apporter à Henri le burger qu'il t'a demandé. Ou voir avec Thibobo s'il n'y aurait pas du travail à la ferme. Ou alors visiter le gymnase. A toi de voir, bonne chance l'ami. Donc ça c'est le journal des quêtes et bon bah voilà quoi, après ça va... Voilà, déjà il y a plein de quêtes jusqu'à atteindre 2000 points et il en faudrait 9000 pour aller dans la ville haute. Donc autant vous dire que va y avoir du farm. Il est quelle heure? Il est 20h15, je suis pas sûr de pouvoir aller partout à 20h15. En plus, ah si ça va, j'ai de l'énergie. Gymnase, chez Henri, vas-y on va donner le burger chez Henri. Il me faut 25 minutes pour y aller à pied ou alors 2$. Ah mais les dollars c'est trop important. Vas-y j'y vais à pied. Salut Henri. Voilà ton burger, désolé ça a pris un peu de temps. Ah merci mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait arrêter par la police. Ouais tout va bien. En fait ils m'ont proposé un boulot ainsi qu'une chance de découvrir ce qui arrivait à mon père. Ouais je te l'avais dit. À propos de l'argent. Ouais j'ai jamais eu l'intention de compter la monnaie, ce qui compte vraiment est ailleurs. Ok. T'as pigé le truc, c'est plus profond que ça en a l'air tu vois. Tu regardes trop de vieux films ringards Henri hein. Le burger du changement. À ce sujet ça te dit qu'on s'en fasse un là, en souvenir du bon vieux temps? Quel film? Un vieux film d'action des années 80 là. Allez, tu vas adorer. C'est cinéman lui. Hein. Passionnantes minutes plus tard. Ouais, c'était trop bien. Et ouais, c'est bon vieux film d'action, j'ai grandi avec, je suis venu pour lécher un esquimau et botter des culs. Et j'ai déjà fini mon esquimau. Et l'haltérophile leur a collé la misère juste après. Et le début était trop bien aussi. T'as enjambé la barre, ce pas de trop sera ton dernier, on n'enjambe jamais la barre. Fallait pas enjamber la barre. Ouais, c'était un super film. Regarde, t'as gagné du respect pour le old school. Voyons un peu ce que tu peux en faire. Voyons un peu ce que tu peux en faire. Donc là, si je vais là-dedans, voici les talents issus de ce film que tu peux déverrouiller grâce à ton ROS. Les talents te donnent l'air plus cool quand tu fais ce que tu fais le mieux. Choisis un talent qui te semble plus cool que les autres.
Un personnage principal à un autre travaille dur et ne te laisse pas distraire, augmente l'efficacité au travail. Ça c'est bien en vrai, hein. Pour l'argent. J'ai envie de travailler mieux, parce que sinon ça c'est quoi? Vous permet de transporter plus d'objets dans l'inventaire. Soulever de la fonte, augmenter la puissance de vos jambes, augmente la vitesse de déplacement en ville. Waouh, mais tout est bien en fait. Augmente l'efficacité des pompes sur le tapis. Je vais prendre bosseur, je pense, déjà. Une victoire insignifiante, mais victoire néanmoins. Tu sais à présent comment avoir l'air cool aux yeux du old school. On s'est vraiment bien éclaté, mon cher voisin. Ça te dit de remettre ça? Il me semble qu'Apu possède un stock de vieilles cassettes. Ça m'étonnerait qu'elle lui serve à grand chose. Tu pourrais passer lui demander? Ok, je passerai le voir. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai fini la quête d'amener le burger. Mais du coup, maintenant, il me donne une quête où il faut que je trouve des cassettes chez Apu pour continuer à avoir du score de old school. Pour augmenter certains talents, quoi, qui me permettront de progresser plus vite dans le jeu. En fait, les jeux de Lazy Bear, Lazy Bear Games, le studio de l'ours paresseux, c'est que des clickers cachés, en fait. C'est des idle games déguisés, et du coup, tu remplis des barres, et c'est incroyable. Je suis quand même tenté de prendre le sprint soulevé, mais j'ai peur de pas pouvoir prendre les autres après. Mais augmenter la vitesse de déplacement en ville, ça peut être cool. Mais c'est cool au début, parce que après, on va se déplacer avec notre argent en bus tout le temps, et du coup, le départ, aller plus vite, c'est cool, mais... C'est quoi, ça? Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Un classique. Ok, donc ça, c'est mes quêtes actuelles, j'imagine. Donc, c'est les derniers trucs que j'ai débloqués, je pense. Ok, on peut aller au gymnase, on peut aller chez Apu, on peut aller bosser. On est la nuit là, je crois qu'on peut bosser de nuit ici. Je vais aller bosser de nuit. Bonjour. De qui toi? Papa, c'est le type dont je t'ai parlé. Oh, tu cherches du boulot, c'est ça? Ouais. Eh bah le boulot est à toi, si t'es capable de coller une bonne rouste à des baveuses, pour être honnête, n'importe quel crétin serait capable. Allez, j'ai des trucs à faire moi. C'est le baron Harkonnen. Merci The Bordit pour les 33 mois. Alors c'est ça ton boulot, t'aides ton père à la ferme? Bah ouais, bien obligé. Ça a pas trop l'air de te plaire. Eh, c'est pas comme si on m'avait un jour demandé mon avis, hein. Qu'est-ce que vous en faites des baveuses? Oh, on s'en sert dans les distributeurs de nourriture. Hein? T'es en train de me dire que j'ai passé toute ma vie à manger ces trucs? Bah ouais, t'étais jamais plein du goût à ce que je sache. Non, c'est sûr, mais ce sont des... Bah de rien, mon pote. Ton vrai truc à toi serait plutôt quoi? J'ai toujours eu l'impression que la vie avait autre chose à offrir. Autre chose que cette ville crasseuse avec ses guerres de gangs interminables, ses activités illégales et tout ça. Personne ici, même pas mon père, ne veut vraiment croire en une vie meilleure. N'empêche que j'ai un plan. Si j'arrive à augmenter suffisamment mon SBC, je pourrais me tirer de cette fichue ville en abandonnant tout le reste derrière moi. Et comment comptes-tu y parvenir? Eh ben, on se connaît pas encore suffisamment pour que je te balance tout d'un seul coup, ou plus tard peut-être. Vas-y, je vais me foutre au boulot. Avise-toi bien à cogner ces baveuses. Ouais, t'as pété un câble? Pardon? Bah t'as vu l'heure? C'est l'heure d'être couché ou de commettre un crime, mais clairement pas de travailler. On repasse vers 8h, on a déjà essayé de bosser de nuit, le boucan du tabassage de baveuse empêchait tout le monde de dormir dans un rayon de 5 km. Ah oui non, en fait là le boulot c'est de jour et il y a un autre boulot de nuit. Donc en fait là je viens de perdre du temps mais c'est pas grave. Si je vais aller au gymnase en vrai. Hein. 1h10, 23h05. Ah oui, je peux pas aller au gymnase à 23h05. Par contre je peux payer 6$ pour aller au gymnase à 22h. Ouais, ce serait une connerie. En vrai on va aller là. Bonjour monsieur Bocal. Est-ce que je serais pas notre jeune combattant en personne? Comment j'ai pêché votre rencontre avec les forces de l'ordre? Plutôt bien, j'ai une puce SBC maintenant. Oh oui, ah mais oui, souhaitez-vous acheter quelque chose? En fait, je me demandais, vu que j'ai quand même protégé votre boutique. Oh, Cherviche pour un Cherviche, bien sûr. Vous allez m'accorder une réduction du coup? Eh, mais je suis si pauvre mon garçon, j'avais pas de quoi me payer un corps, pas de ristourne. Oh. Eh mais je connais un type qui connaît un type, il serait certainement prêt à vous proposer un travail. C'est dans une pizzeria, j'ai toujours rêvé d'essayer de travailler là-dedans. Ah non, les pizzas c'est fini, fichu baveuse. Eh, c'est dans les nouilles, allez voir boulevard du club, dites-lui que c'est Apu qui vous envoie. Bon, et maintenant, souhaitez-vous acheter quelque chose? À propos des cassettes, vous n'aurez pas des vieilles cassettes? Quel genre de cassettes? Bah, les espèces de boîtes en plastique noir, là, les gens ils s'en servaient pour regarder des films autrefois. Ah ouais, ça me dit quelque chose, ça devait être entaché avec le reste du fourbi inutile. Bah, si vous en avez pas besoin. Quoi? Vous pourrez me les donner? Oui, certainement, ça fera 100$. Hein, mais vous venez de dire que c'est que du fourbi inutile? Bah, ça l'était avant que vous vous y intéressiez, du coup, maintenant c'est un produit. Bah tant pis, j'avais pas besoin, j'avais juste l'intention de les emmener à la déchetterie. Mais prendriez-vous pour une buse? Le prix est fixé à 100$ par cassette, pas un cent de moins. Quel bâtard. Du coup, kit culinaire, c'est important que j'en prenne, je pense. L'agent d'entretien? C'est l'agent d'entretien de Scrubs? C'est vous qui avez piqué le pudding et les coquillages de toilette. Du coup, j'ai pas de SBC, là, je suis à 0, donc si je parle à quelqu'un qui demande 182, je pense que je vais me faire fumer la tête. Oui, c'est barré le fumier. Et lui, je peux lui parler ou pas? Non. Et l'autre, il s'en va à chaque fois.
Le gymnase, là, c'est mort. Bah, faut aller dormir, de toute façon, là. Y'a plus le choix. On va faire dodo. Vaut-il mieux qu'elle soit réveillée ou qu'elle dort? Avant de dormir, je peux peut-être faire un peu de training, non? Peut-être faire quelques pompes, là. Mais le problème, c'est que ça va me donner faim. Donc ça, ça dépense mon énergie, ça dépense la bouffe. Et ça me permet d'augmenter mes statistiques. Enfin, c'est totalement le mec de Scrubs, hein. Au dodo. Je récupère mon énergie. Hop, 8h du mat, j'ai des frissons. Est-ce qu'on a le droit de manger ça? Termine ça, j'ai besoin de dormir. Bonne nuit, mon fils, et essaye de pas faire trop de bruit, hein. Ok, mais du coup, là, il est 9h, donc si je vais travailler là tout de suite... Oh. Il est déjà 11h15. Mais il me faut de l'argent, en fait. Il me faut absolument de l'argent, là. Oh, le temps défile si vite. Plus 29$, par contre, hein. Hop là. Oh putain, si j'arrive à en faire un deuxième. Oh, s'il te plaît, dis-moi que j'ai le temps. Dis-moi que j'ai le temps pour un deuxième. Oh, let's go. C'est bon, tu peux arrêter de les cogner, il est temps d'aller te reposer. Et je suis pas encore fatigué. Tant mieux pour toi, moi je le suis. À vrai dire, j'ai des projets pour ce soir. Alors, s'il te plaît, tire-toi et repasse demain matin. Ok, on est à 68$, c'est cool. Pas qu'on foire le début, en fait, parce qu'on a vraiment besoin de bouffe. Allons au gymnase, tiens. Merci Ticabou pour les 19 watts prime. Bonjour monsieur, on m'a dit qu'il était possible de se remettre en forme ici. Ah pour sûr. Regarde un peu autour de toi fiston, tu viens de poser le... Pardon. Tu viens de poser le pied dans le futur. Au gymnase Silver, on peut faire de toi un vrai Schwarzy version 70, il suffit juste d'abouler le pognon. Ça serait pas un peu de la triche? Bah, allô mon gars, la haute technologie est précisément ce qui fait la grandeur de la ville. Le gymnase Silver, c'est carrément autre chose que la déchetterie de ces boulets de la mafia russe. T'as vu leur équipement has-been et leur robot d'entraînement? Perso, moi j'aurais honte à leur place. Intéressant tout ça, je devrais probablement aller faire un tour. Avec nous, tu peux devenir une véritable machine à tuer en appuyant simplement sur un bouton, puis mettre ta force à l'épreuve au sein de la ligue de combat Silver. Ça fonctionne comment le gymnase? Bonne question, tout est là, il te suffit de franchir cette porte. Sois pas timide, hein, notre robot administrateur te montrera tout ce qu'il faut savoir. Et c'est quoi la ligue de combat? Les amateurs de toute la ville viennent combattre ici pour l'argent et le SBC, c'est génial. Ne laisse pas tromper par le terme amateur, hein. Mes gars pourraient botter les fesses de n'importe qui. Oh que oui. En plus, il y a que pas que des gars, il y a aussi des filles, je précise. Oh que oui. Alors le petit nouveau prêt à faire tes preuves au sein de la ligue? Pour remporter des combats, c'est littéralement ce dont j'ai toujours rêvé. Assez perdu de temps, je m'inscris. T'as tout compris, fiston, je vais t'ajouter au registre. Tiens, tiens, tiens. Auriez-vous l'intention de rejoindre la ligue? Il me cherche lui ou quoi? Pourquoi pas, ça a l'air cool. En ce cas, je vous souhaite une fin atroce et douloureuse. Ah ouais, clairement, il me cherche, ouais. Excuse-moi, mais on se connaît. Ah, j'ai mieux à faire de discuter avec des losers. Cependant, retenez bien ceci. Si d'aventure le destin vous amenait à croiser la route du seigneur Hue sur le ring, il vous serait alors asséné une déculottée d'une violence telle que jamais vous ne pourriez l'oublier. Qui c'est celui-là? C'est Huey, il a une vingtaine d'années de cela, c'était un bandit, il travaillait pour Bobo, un caïd de la pègre locale. Aujourd'hui, il a atteint un SBC suffisant pour se faire appeler seigneur. Le seigneur des mauvaises manières et de l'élocution chichiteuse, ouais, enfin bref, je vais me faire un plaisir de rosser sa seigneurie. À toi alors un SBC nettement plus élevé si tu tiens à défier Huey. Tu peux faire tes débuts au sein de la Ligue Silver dès maintenant. Un combat doit avoir lieu aujourd'hui, il reste une place libre, à croire qu'elle n'attendait que toi, petit vénard. Hein? Voici la liste des combattants de la ligue. 11 hommes et femmes en colère, prêts à te botter les fesses, la tronche et diverses autres parties de ton anatomie. Voyons qui sera ton adversaire dans la liste des combats du jour. C'est le combat qui a été prévu pour toi. Ton adversaire m'a tout l'air d'être un dur, voyons ça de plus près. Voici sa présélection de combat et ses stats. En fait, il a pas l'air bien costaud, comment a-t-il fait pour se retrouver là? Il a peut-être pour seule fonction que de servir de tutoriel. Allons, on s'inscrit pour ce combat. D'habitude, tu dois t'inscrire d'avance, mais pour aujourd'hui, on va faire une exception. Excellent, j'étais sûr que t'avais ça en toi. À présent, monte-moi de côté capable. Les combats de ligue ont lieu uniquement certains jours. Ces jours-là, il y a un créneau horaire te permettant de te présenter pour combattre. Par exemple, dans la Ligue Silver, ce créneau va de 8h à 22h. Le temps restant est indiqué ici. Ok, ok. N'oublie pas que si tu ne te présentes pas un temps pour ton combat, ce sera considéré comme une défaite. À présent, présente-toi pour ton premier combat de ligue, pète-lui la tronche. J'ai pas de compétences défensives encore? Aïe, 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 aïe. J'y vais full coup de pied, là? Allez, fume, là. Oh oui! Oh, j'ai l'initiative, je sais pas pourquoi. Ok. Quoi, t'es pas full life au début du fight? Parce que j'étais pas full life, en fait, ta vie, c'est une stat dans le jeu, t'as la vie, la bouffe et l'énergie, et ma vie était pas au max. Il faut se soigner pour ça.
Parce que j'ai pris des tartes la veille et elles sont encore présentes quoi. Allez hop, au sol le frérot. Effet, vous avez combattu récemment, ça c'est cool. Maîtrise du coup de pied, on a bientôt level 2 je crois. Bien joué, un beau début. Même ma grande tante de côté de mon père savait se battre mieux que ça. Vous finirez certainement comme elle, emportée par la goutte. Prends cette barre protéinée, elle t'aidera à récupérer un peu de santé et d'énergie. Tu pourras obtenir d'autres trucs du même genre auprès du robot du gymnase là-bas. Oublie pas ton argent, fiston. Nous vivons dans le monde du capitalisme victorieux et tu me dois déjà 1$. Mais pourquoi ? Bah non, je rigole. En fait, non, je rigole pas. Oh, c'est bon, mais si, c'était pour rigoler. T'aurais vu ta tronche, allez, à plus le nouveau. C'était un bien beau combat. En plus, t'as permis de gagner des points de score de bonne conduite. Tu sais à présent comment on devient une personne convenable. Tu peux déverrouiller de nouvelles capacités grâce à ces points, voyons cela de plus près. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ça fait peur, je crois. Soit ça de mémoire, ça fait peur. Ouais, voilà. T'as aucune capacité défensive pour le moment, essayons-en une. Choisis la capacité défensive que tu préfères. Donc soit tu joues sur l'esquive, soit tu joues sur le blocage. Moi j'aime bien jouer des personnages genre agile, esquive. En plus ils te donnent les formules de comment ça marche. Félicitations, tu vas désormais pouvoir t'essayer à des tactiques plus sophistiquées que connaît ton adversaire sans relâche. Et du coup évidemment les stats sont bloqués derrière des... Bah vous voyez ça c'est mes stats d'agilité, de force et de vitesse je crois. Et en gros, tant qu'on n'est pas level 2, on peut pas aller chercher les trucs niveau 2. Quoi. C'est où les points comme ça là? Ah. Putain, le sprint soulevé, il donne envie quand même. Hein. Transporter plus d'objets, les bases. Vas-y, traîne-nous le mou pour les 8 mois. Tu lui lattes les boules. On peut dire ça. Hein. Client, je suis heureux de vous accueillir au gymnase Silver. Ici, vous pourrez facilement gagner en force, en vitesse et en robustesse grâce à ces machines de neuro-entraînement. Cette technologie de pointe est le secret qui vous rendra invincible. Et ici, nous avons quelque chose de très utile après un combat, le docteur Trifouille, notre maçon-thérapeute. Faites-vous soigner ici, vous vous sentirez revivre, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas que je serai toujours à votre disposition pour vous fournir des boissons énergétiques et de la nourriture. Nous recommandons une transition complète vers un régime uniquement énergétique. Et ce bassin, qu'est-ce que c'est et qui est ce gros bonhomme? Il s'agit de notre système d'entraînement en combat en RV à immersion totale, réservé à nos hôtes de marque uniquement. Ok, je vois. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Les barres protéinées, c'est 18 balles. Les boissons énergétiques, ça permet d'avoir de l'énergie, en effet, et rester éveillé plus longtemps. Ça, c'est de la bouffe, un peu de points de vie, un peu d'énergie. Ça peut être sympa d'en avoir une ou deux quand même sur soi. Il est où mon inventaire? Dans mon inventaire, j'ai deux barres d'énergie et après... Ah oui, d'accord, en fait, c'est chaud. Donc, Docteur Trifouille, lui, il te soigne le cul. Ah ouais, mais à 22h, il ferme. Les services du Docteur Trifouille ne sont pas disponibles, monsieur. Et pourquoi ça? Le gymnase ferme à 22h. Nous aurons heureux de vous accueillir dès demain matin. Pardon, merde. Ok, et ça, comment ça marche déjà? Les machines pour s'entraîner là. Échauffement, préparez votre corps à faire de l'exercice. Je crois que tu payes des dollars pour te booster en XP. Mais bon, de toute façon là, il y a rien qui est disponible. Hein. Déchetterie, de la robofacture. Ah oui, je peux travailler là-bas. Je vais aller chez Apu pour voir s'il vend pas déjà les trucs qui permettent de cuisiner là. Je vais aussi manger une petite barre. Hop là. Ah les bonbons, je peux pas pour l'instant. Kit culinaire, en vrai, il m'en faut. Hein. J'ai le droit d'en avoir deux sur moi? Ça va où, les kits culinaires? C'est pas dans mon inventaire? La nourriture, on la transporte, les objets de quête aussi, mais les kits culinaires, par contre, c'est gratos. Trop bizarre. C'est dans le frigo. Ah. Merci, Ratboy, pour les 3 mois. Bonsoir, par ici. Halt, qui va là? Je suis à la recherche de pièces détachées pour réparer mon matériel d'entraînement. Oh, t'entends ça, Dynamo? On a un client. Il me plaît pas. On dirait une sale petite fouine de Varnik. J'ai aucune idée de ce que ça peut bien être, je suis qu'un simple travailleur. Hein. Ouais, possible, paye tes pièces et va-t'en. Une femme puissante avec une moto. Le contremaître de la déchetterie. Mais t'as pas un travail pour moi, là? Comment pourrais-je faire mes preuves à vos yeux? Qu'est-ce que t'en penses, Makiska? Appelle-moi comme ça encore une fois, tu travailleras avec la tête entre les genoux. Hein. Ah, ça me donne une idée. Quelle meilleure façon de prouver ta droiture qu'en tordant des trucs?
Si vous me proposez un boulot, ça m'intéresse. Hein. Bah alors on s'y met. Qu'est-ce qu'il vend lui ? Barre de muscu, pierogi de la part de Dynamo, Osverin, une boisson à l'épreuve du temps. Ah mais je vais avoir vite faim là. Inscription accessible. Hop là. J'arrête de bosser, j'ai 32 balles. Retour à la maison. Bender, je suis littéralement Bender. Le kit culinaire, ça donne vraiment que de la bouffe. Hein. Mais ça, je crois que ça a changé. Je fais 2-3 pompes là, jusqu'à ce qu'il soit genre 8h. Et je vais aller bosser. Farmer l'argent au début dans ce jeu, c'est trop bien. Le pognon, giga important. Ok. 90$. On va essayer de bosser de nuit, je pense. J'y vais en bus pour aller plus vite. Besoin d'argent ! J'aurais déjà fait un burn-out. Ça termine dans une heure l'inscription ? En même temps, j'allais pas reparticiper à un tournoi directement. Genre, je vais me faire fumer par le prochain adversaire, là. Ok. $149. Ah, je peux aller au boulevard du club si j'ai envie. Ça, c'est juste à côté, on y va comme ça. Je peux acheter déjà une cassette. Ah, il faut pas que je le fasse, hein. Donc ça, ça va dans le frigo. Ça donne pas d'énergie après. Hein. Ouais, je prends 3 kits culinaires. Histoire d'être kiltran. 5h50 du mat, il serait temps que j'aille dormir aussi. Hein. Il serait temps que je fasse des dodos, moi. Hein. Parce que là, si je vais me coucher... Donc ça, tu récupères de la vie aussi en dormant. Mais par contre, le fait de dormir te donne faim. Bon, ce qui est normal en vrai. Là, je me réveille, j'ai la dalle. Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de manger quelque chose. Et tu sais ce que j'essaye de faire, moi ? Bah, dormir. Ouais, j'essaye de dormir, arrête de faire autant de bruit. Mais comment veux-tu que je fasse ? M'en fiche, va t'acheter des snacks à l'épicerie ou je sais pas. C'était plus facile de manger la baveuse du distributeur. Des somnifères pourraient peut-être aider un peu, je devrais demander à Apu. Ah oui, donc là, je ne peux pas manger parce que ma mère m'empêche de vivre, quoi. Il y en a un qui est possédé dans le chat. C'est vrai que Jean-Sébastien, il m'a l'air possédé. On peut mourir dans ce jeu une mort punitive ? Je crois pas. Je crois pas. Hein. À propos des somnifères, Apu, vous auriez des pilules pour dormir ? Qu'avez-vous voulu dire par là ? Non, c'est pas ça, moi, ça. Vous avez regardé Apu et tout de suite, vous vous êtes dit, ce type doit vendre des marchandises illicites ? Il a plutôt une voix de vieux, non ? Mais non, je sais pas parce que j'ai vendu mon corps qu'il faut croire que je vends de la drogue. Mais je voulais pas. Écoutez-moi bien, c'est le petit voyant. Apu ne vend pas de marchandises illicites. Ok, j'ai compris. Souvenez-vous-en et ne demandez plus jamais de choses comme ça, j'ai compris ? Ah ouais. Et les petits bonbons dans ce distributeur, mes clients me disent souvent qu'ils aident à trouver le sommeil. Ah donc vous avez un distributeur de bonbons qui font dormir ? Quoi ? Mais sûr que non, c'est pas mon distributeur, je fais que proposer à la location l'espace où il se trouve. À qui est-il alors ? Ça vous regarde pas. Ah des bonbons qui font dormir. Donc là je peux prendre 10 bonbons qui font dormir, j'espère que ça aidera maman à mieux dormir. Et au pire je reprends 2 kits culinaires histoire d'être tranquille. Donc grâce à ça, ma daronne, elle va dormir maintenant. Un bonbon à l'érable d'Amsterdam, ça a l'air d'être un peu ça. Hein. Tu vois pas que je suis en train de dormir ? Si, mais tu dors pas très bien. J'essaye, mais tu fais beaucoup de bruit. Peut-être que ces bonbons pourront t'aider un peu. Où est-ce que tu les sors ? Le distributeur qui est dans... Je refuse d'avaler quoi que ce soit qui provienne d'un distributeur. Hein. Tu sais, notre distributeur de nourriture est un distributeur, on paye un abonnement mensuel. T'as pas écouté ce que j'ai dit ? Si, mais il me semblait que l'épicerie d'Apu était un endroit fiable. Donc ils viennent de l'épicerie d'Apu. Techniquement, oui. Essaye de me rendre dingue, c'est ça ? Donne-moi ces bonbons. Surbon, mets-les dans ces assiettes, là. Ok, je te les mets là. Prends-en avant de dormir, j'espère qu'ils t'aideront. Hein. Maman, tu m'entends ? Ces bonbons ont l'air de sacrément bien fonctionner. Ok. Là, il faudrait que je mange genre 2 fois, en vérité. Et là, il est 16h.
Donc 16h. Je vais bosser de nuit, je pense. Allons au boulevard du club voir ce qui se passe là-bas. Ah bah c'est le repas de nouilles. Bonjour. Bonjour, que souhaitez-vous commander? En fait, on m'a dit que je pourrais trouver du travail ici. Ah, qui vous a dit ça? Le type de l'épicerie, les yeux marrons et rien en dessous du cou. Ah, tu es un ami d'Apu. Effectivement, je serais pas contre un petit coup de main. Si jamais je renifle sur toi l'odeur de ces Russes ou celle de Bobo et ses fils, c'est toi qui prendras des coups, c'est bien compris? Bien sûr, mais il me semble que Bobo n'a qu'un seul fils, non? Quoi? Bah, c'est le genre de choses que j'aurais pu demander si j'avais su qui sont ces Bobo et ses fils, quoi. Ouais, bon, allez, au travail, hein. Les nouilles. Donc là, il y a du gogo dancing, là. Il y a des petits bouts de nouilles coincés dans sa moustache. Nouilles-san. Qu'est-ce qu'ils vendent, nouilles-san? Des nouilles tièdes? Des larmes de Sakura octroient le renfort équilibre mental, du sucre en provenance directe du pays du soleil levant. Et là, c'est pas encore l'heure de faire cuire les nouilles, il repasse à 19h quand on aura de nouveau des clients. Ah mais 19h, t'es marrant, je peux pas attendre un petit peu ici là. Va faire passer le temps genre... Je peux pas aller là pour faire passer le temps là. C'est les notifs ça. Je peux pas aller au gogo dancing? Parce que si je fais l'aller-retour, je me fais biaiser. Il faut 1h40 pour aller là. Y'a pas un monde où juste j'attends? Là, je crois que je peux pas attendre. Ah bah je me fais baiser tellement de temps là. Non mais d'ailleurs une fonction c'est sûr. Pas le temps d'attendre. Merci Mitouf pour les 23 mois. Réveille, le problème c'était tu depuis une... C'était perdu depuis une journée, ouais. Endormi. Elle est longue et froide cette nouille. Comme toutes les nuits dans cette cité sombre et sans espoir. Pardon? C'est pas à toi que je parlais. On aurait pourtant dit que si, hein. Tu fais erreur. Laisse donc tranquille, un Netflix, ça aime bien boire de temps en temps. On aurait pu mieux faire. C'est à moi que vous vous adressez ce coup-ci, non? Pour servir et protéger, qui disait. Vous avez été flic? C'était ma profession, ex-flic, ex-inspecteur, ex-tueur. Délire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile à dire, pour être honnête, je m'en souviens plus. Votre mémoire vous joue des tours? Les flics bossent toujours avec un coéquipier, peut-être que lui il se souviendrait. J'ai plus personne. Il est mort? Pire, c'est devenu un holo-flic. Ah bah tiens, je me suis fait arrêter par un holo-flic une fois. Tu trouves qu'il y a de quoi t'en vanter? Bon, c'était assez palpitant comme histoire. L'optimisme de la jeunesse, t'en fais pas, ça finit par passer. Sauf si tu te mets toi aussi à arrêter des gens, bah évidemment. Ok, mais en quoi être un hologramme est-il un sort pire que la mort? Un hologramme, c'est comme toutes les machines. Il peut être utile ou dangereux, s'il est utile, c'est pas un problème. Vous voulez parler du libre arbitre? J'ai dit précisément ce que je voulais dire, tu poses trop de questions. T'as pas l'air d'avoir envie de parler. J'aurais peut-être demandé à Lolo Capitaine. Et moi je peux bosser ou comment ça se passe? Commencer à travailler. Allez. Faisons des nouilles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de refs. Hein. Dans ton cul la baisse. Mais putain, mais Jean-Sébastien, je te mets deux jours parce que bizarre. Je te mets deux jours de ban. Regardez-moi donc ce petit jeune, comme il travaillait dur. Écoute, tous les fêtards sont rentrés chez eux, ça veut dire plus de clients. On passe à 19h quand on aura de nouveau des clients. Ok, donc là, 7h, on peut bosser ici de 19 à 7h. Tu l'avais déjà mis deux jours? Ah ouais? Bah, je le life alors. Hop. Comme ça, c'est fait. Donc là, ça va l'énergie. Par contre, mon personnage s'ennuie. C'est-à-dire que là, on a fait que travailler et mon personnage a envie de se battre, genre. Et pour ça, il faudrait que je fasse des combats. Et les combats, il y en a un dans un jour, non? Mais c'est lui, il va me péter la gueule, non? Faudrait que je m'entraîne, genre. Le pentagramme. ChatGPT banned. En vrai, c'était sûrement ChatGPT. Hein. Envie de tricher, là. Voir comment ça marche, ça. Échauffement. Pour 30 minutes. Et 4$. Tu gagnes 10 de chaque. En 1h30 pour 12$, tu peux gagner 100 d'une seule stat. Genre 102 de vitesse, 102 de machin. Attends, faut faire les calculs là. Mais ça coûte de la bouffe, ça coûte de l'énergie et ça coûte du dollar. Parce que là, tu gagnes 32 stats pour 4$. Là, t'en gagnes 102. Donc en gros, si on multiplie par 4, là, tu gagnes 90 de stats. Là, t'en gagnes 102. Donc tu gagnes 12 de stats supplémentaires. Donc le mieux, c'est d'acheter un de chaque comme ça. C'est bien mieux. Là, je passe level 2. Petit breakdance, là.
de corde à sauter. Donc là, je suis level 2 partout. C'est un peu la triche, ce truc, hein. Par contre, ça coûte de l'argent. Ça coûte très très cher. S'il suffisait de payer pour faire de l'exercice. Trop bien, hein. Ouais, sinon, je peux faire des pompes et je peux faire quoi? Ça, j'ai le droit ou pas, hein? Le matériel d'exercice est endommagé. Donc là, littéralement, je peux faire que des pompes, quoi. Je peux pomper, quoi. Mais bon, je suis level 2, donc j'ai pas besoin de pomper. Vas-y, on va rebosser de nuit, hein. On va se mettre full énergie, là. Hop. Ensuite, on va aller là. On va s'acheter un... On va se remettre un petit kit culinaire pour être full life. Il est 19h50. On y va en bus. Comme ça, en 10$, on est directement là-bas. Et c'est parti. Nous yed. Merci aux X pour les 28 mois, des gros bisous. Inscription accessible. Donc là, il faudrait que je fasse un combat, genre. Vu que je suis level 2 partout, en plus, ça se trouve, je vais le fumer, le frérot qui... Ah, j'ai pas le temps de nouiller, là. Tant pis. Allons chez Apu. On va racheter de la bouffe parce qu'on commence à être à court. Ok. Inscription accessible, let's go. Comment ça marche? Donc si on veut se taper contre JD... Attends, mais je peux refumer JD? Attends, c'est réel ça? Aujourd'hui le combat? Demandez à se faire entraîner. Prêt à dégourdir votre vieille carcasse? Allez, pourquoi pas, je vais me changer. Allez, on s'y met le genou. Hein? Bah attends, mais quoi? Mais je vais me faire taper la tête là? Trop vieux pour se relever, abandonner le combat, si mis KO. Non mais quoi? Mais je vais mourir. Mais il est 7, 5, 6, mais stop. Ça va en vrai. Je lui mets un peu en vrai. T'as pas des esquives? Putain, si, faut que je mette mes esquives. Ma barre d'énergie, par contre, elle se vide. À une vitesse. Une fois que je vais être low en énergie, ça va être la merde. Win. Vous avez combattu récemment, ça c'est bien. Vous ne subirez aucun dégât si vous réussissez à esquiver une attaque. J'ai gagné des points là-dessus. Ça suffira pour aujourd'hui, on repasse donc demain. On a le droit de s'entraîner tous les jours. Ouais, le problème c'est que l'entraînement ça te dépense de ouf. J'ai l'impression. Moi je vis la nuit, moi. Ça va travailler de nuit là. Je dors le jour, je vis la nuit. Ça te rend plus happy aussi. Ouais, ça, en fait, quand t'as l'effet de t'être combattu dans les 3 derniers jours, tu gagnes là les bons bails. Deux heures pour aller là-bas. Et ça commence à 19h. Là, je peux genre faire peut-être 2 heures de pompe. Je veux la promotion au bar à nouilles, moi. T'avais pas un match le soir? Non, je crois que c'est dans 2 jours. Hein. Quoi, les nouilles et pas le reste? Je sais pas, là, j'ai envie de faire des nouilles. Ok, on pourra pas faire mieux. Ok. Là, il me faudrait de la bouffe. En vrai, je peux retourner chez moi. Hein. Ça met 2 heures à retourner chez moi. Je crois que c'est aujourd'hui le jour du combat.
se faire une bonne bouffe là. Moi je peux pas combattre. Demander à se faire entraîner. Dans 21h30 le combat. Ah donc c'est la journée d'après en fait, à chaque fois c'est 2 jours après l'inscription. Semblerait. Vas-y Bungie pour les 75 mois, des bisous. Cimer. J'ai loupé le pigeon roux aussi pour les 23 mois. 23 mois, alors la sortie de Sixon, on en a marre. Ça arrive fort, ouais, je pense. Ouais. Win. Du coup, ça XP un peu, ça. Ça suffira pour aujourd'hui, repasse donc demain. Bah, demain, je viens pas pour m'entraîner. Demain, je viens pour me taper, en fait. Demain, je viens pour casser des queutrues. Mon perso est un peu en manque d'énergie. Bon, allez, on va aller travailler. Attends, mais en fait, le travail te donne des stats aussi. J'avais pas remarqué ça. Genre là, on gagne des pieds. Faut la paix aux baveuses la nuit. On repasse demain à partir de 8h. J'avais pas remarqué du tout ça. Ça dépend des tafs, ouais. Du coup, il y a un taf qui doit augmenter ta force, l'autre qui augmente ton agilité et l'autre ta vitesse. Ah, on se repose bien la veille du combat, là. Chaque boulot upgrade un trait différent. Ok. Comme le premier, ouais, mais je me rappelle pas. En fait, le premier, il est sorti il y a vraiment longtemps maintenant et j'ai plus les refs. Ok, 5h45 du mat. Si je vais au gymnase, c'est quelle heure déjà? On est 50 minutes à aller au gymnase et il sera que 6h. Faut faire des pompes, hein. Ça ouvre à 8h. Combat accessible. Demandez à se faire entraîner. Et du coup, je peux faire l'entraînement plus le combat si j'ai envie. Bon, après, go combat, non? Mais lui, je vais le défoncer en fait maintenant. Comment ça, 10? Comment ça, il met des patates à 10, le fumier? Fous le KO là, hein. Mets des critiques, je sais pas. Oh, belle esquive. C'est en 3 rounds, bon, assaut long, hein. Un petit dernier coup de pied là. Allez hop, au sol. Ok, j'ai rien gagné en stats. J'ai perdu 30 d'énergie, 12 de vie, mais 20 de bonheur. J'ai gagné 23 de répute. Un beau combat, hein. Ouais, merci. Mais Victor, ça signifie pas que t'es autorisé à te détendre, elle est là pour t'inciter à travailler encore plus dur. C'est un truc que j'ai lu dans un magazine que quelqu'un avait laissé dans les oublie ça. Tu sais, en te regardant combattre, je me suis dit, il y a un truc qui me plaît dans sa façon de bouger. Pardonnez-moi, mais si vous êtes en train d'essayer de me draguer... Mais non, c'est juste que cette mobilité, je l'ai déjà vue quelque part. Un bon ami à moi bougeait de la même façon. Enfin bon, c'était il y a bien longtemps, une bonne vingtaine d'années au moins, t'étais probablement encore qu'un bébé. Ça serait pas son portrait qui est accroché au mur par hasard? Non, parce que j'ai un peu l'impression que c'est un miroir. Elle est dans une pipe. Comment je m'en suis pas aperçu plus tôt? La ressemblance est invraisemblable. Serais-tu un clone de mon vieux pote? Bah non, ce serait plutôt dû au fait que c'est mon père en fait. Ah bah oui, il y a aussi cette possibilité. Parlez-moi un peu de mon père. Ah bah d'une, c'était un costaud. Certains iraient même jusqu'à dire que c'était le plus costaud de tous les costauds. Nous étions amis, les meilleurs amis du monde en fait. On se retrouvait toujours dans des situations pas possibles. Nous arrivait tellement d'histoires. Vous pourriez m'en raconter une? Bien sûr, que je m'en souvienne. Une bien marrante là. Eh ben. Lâche-moi la grappe, fiston. On verra ce que ça vaudra la mémoire quand t'auras mon âge. Et seriez-vous, je pourrais le trouver? Je saurais même pas par où commencer, il a disparu depuis si longtemps. S'il y a bien une source d'information fiable dans cette cité, ce sont les célèbres archives numériques de la ville haute. Les archives numériques, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une collection de toutes les infos dont nous disposons depuis la création de l'univers. Tout y est, même la vidéo de Pam et Tommy.
Si tu parviens à trouver quelque chose à propos de ton père, ce sera là-dedans. Génial, comment puis-je y accéder? Seules les personnes avec un SBC supérieur à 9000 points sont autorisées dans la ville haute. Le chemin pour y parvenir est long et douloureux, il passe par la Ligue Silver. Pas mes Tommy, quoi. 157$, putain, mais je suis riche as fuck en fait. Hein. Je suis full bouffe, je suis full bien. Je me dis, faut aller bosser pour 6$ là. À la rêve de Pam et Tommy, faut l'avoir. Achète du matos d'entraînement. En vrai, attends. Je peux acheter la cassette aussi. Hein. Ainsi, est-ce qu'on passe pour les 25 mois, Dr. Reboot pour les 1 an. Putain, ça fait trop plaisir d'avoir Punch Club 2 là. Comment je vais farmer comme un connard. Ok, 19h05. On a bientôt une promotion. On gagnera 25B, je sais pas ce que c'est. Mais par contre, on gagnera 4$ de plus par... Par unité de travail, on va dire. Là, il est 19h05, on est bien en bouffe. L'énergie, c'est bof bof. On va peut-être aller faire une mini-nuit. Peut-être aller faire une mini-nuit et, ou peut-être investir sur la cassette, là. Il y a un petit investissement cassette, là. C'est 100$, c'est pas très cher. C'est une bonne affaire. Attends, nous avons tous les deux plus que nous voulions. Ouais, une bonne affaire, ouais. J'en ai d'autres, si vous voulez, mais elles sont à 200$ pièce. Quoi ? Et plus la produit se fait rare, plus la demande augmente, plus le prix en fait autant, ça va du marché. C'est surtout une arnaque, ouais. Si vous voulez quelque chose, je vous paierai pour l'avoir. Je vous donnerai qu'à patienter encore une cinquantaine d'années pour que le prix chute à nouveau. C'est bon, j'ai compris. La loi du marché. Apporter la cassette à Henri. C'est vrai qu'à tout moment, c'était perdu, en fait, tu vas là et boum, tu sais ce qu'il faut faire, quoi. Donner une leçon à UA. Là, au niveau des quêtes, à part bosser et se taper, on n'a pas grand-chose. Si, on a ça, parler à Lolo Capitaine. Ah oui, fallait que je retourne chez la police. Mais là, on va aller filer la cassette. Il faut juste que je réinvestisse un peu d'argent, je pense. Genre 3 kits culinaires. Ça, c'est quoi? Nutritif et délicieux à réchauffer avant dégustation. Le repas à la baveuse. C'est pas worse du tout, ça. Après, peut-être que lui, il consomme pas de temps. Genre, c'est instantané. À réchauffer avant dégustation, ça c'est préparez-le vous-même. Je vais tenter, je vais en acheter un pour voir la diff. La barre énergétique, c'est garanti. Hein. Je ressemble mon inventaire là. Ok. Allons chez Henri là. Henri de crever! Un type sympa qui collectionne les vieux films. Putain, personne le respecte, Henri. Hein. Donnez la cassette. Eh, mon pote, t'as trouvé une cassette vidéo? C'était la seule qui avait Apu? Non, il en a d'autres. Eh bah, pourquoi les as-tu pas apportées aussi? Bah, Apu, c'est un petit malin. Hein. Ah, je vois, y'a rien d'écrit sur cette cassette. Je me demande quel film elle contient. J'en sais rien, mais j'espère que c'est quelque chose qui en vaut la peine. Hein. Ah, y'a qu'un seul moyen de le découvrir. Vas-y, Sleipnir pour les 9 mois de Prime, des bisous. En train de regarder un film Rookie. Oh putain. Petit Redfield pour les 20 mois. Rookie, un jeune boxeur doué et opiniâtre, sacrifie tout pour s'extraire de son milieu et se hisser vers la gloire. Stony. Bras de Rookie voulait avoir des muscles comme ceux de Rookie, augmente l'efficacité de l'entraînement au soulevé de poids. Continue d'avancer, Rookie avait décidé que rien ne pourrait l'arrêter, alors faites en autant, augmente l'efficacité de l'entraînement sur la bite course. Cogne comme la vie, rien ne colle autant de baffes dans la tronche que la vie à part vous, augmente l'efficacité de l'entraînement au punching ball. La vache, t'envoyais du lourd. Clairement, Apu a un stock de bons films. T'as le nez pété. De quoi j'ai l'air? Ça s'améliore. Si tu trouves une autre cassette, tu sauras quoi faire. Amène-la ici. C'est clair. Ça, c'est full ref. Hein. C'est full ref de ouf. Alors là, j'ai 100 points de rétro. 100 points de rétro, je peux aller chercher les bras de Rocky. L'efficacité de l'entraînement au soulevé de poids. Ah mais on peut tous les prendre si on veut. Ah, efficacité d'entraînement au punching ball, efficacité d'entraînement sur tapis de course, donc ça on a ni l'un ni l'autre mais on peut les acheter. L'entraînement au soulevé de poids, ça on l'a pas non plus. Il nous reste combien de points? 50. Attends. 50 sur 100. Il me reste 50 points à dépenser, c'est ça? J'augmente un point d'inventaire et je prends les bases, hein, comme ça on est bien. Ça on achètera plus tard. T'as un tapis de course et les poids chez toi. Non mais ils sont rouillés. Ils ne marchent pas, ils ne fonctionnent pas. Il faut que j'en achète des neufs. Ils sont cassés ATM.
Henri de crever, quoi. Oh, j'ai envie de passer level 2 en... Y'a re un combat, là ? La mère ne dort plus. C'est normal, il faut que je la... Il faut qu'elle prenne un bonbon. Donc ça met que 15 minutes, ça. C'est intéressant. 6h50 du matin. 6h50 du matin, pour aller là-bas, il me faut 1h20. C'est parfait, on peut bosser. Et on ira s'inscrire dans 17h. Ok. Faut la droguer, oui, oui. Oui, bon, bah... La dure loi du Punch Club, quoi. Règle numéro 1, ne pas parler du Punch Club. J'ai avoir mon augmentation, en plus. Tu peux t'inscrire au combat à distance. C'est réel, ça? Hé, hey, le cogneur de baveuse. Ouais. Y'a un type, il aime pas trop ta façon de bosser. Hein, pourquoi? Il dit qu'il cogne les baveuses beaucoup mieux que toi. C'est une compétition? Un peu, j'aimerais bien devoir lui prouver qu'il se trompe. Si t'arrives à le battre, t'auras son boulot, alors remue-toi. Obtenir une promo. Ouais, faut que je me tape contre lui, là? Lui, il restaure plus d'énergie entre chaque round. C'est nouveau, moi j'avais pas optimiste avant. Augmente l'efficacité des blocages, augmente les chances de réussir un blocage, augmente les dégâts infligés à l'adversaire en cas de KO. Un style de combat basé sur une bonne endurance et des blocages robustes. Moi j'ai quoi? École de base. Putain, j'ai pas de style encore. Il va me péter la gueule, hein. Oh! Oh, les esquives. Bam. Boum. Bim. Oh, si, j'ai des points à dépenser en plus. Bon, round 1, on est gagnant, mais on se fatigue beaucoup plus vite que l'adversaire et... Oh. What? Combien? Oh, tiens, mange. Triple low kick, là. Ouais, bien, esquive. Oh, là, je suis fatigué, là. Quoi? Quoi, Koubé? On peut pas manger un queutru, là? Ça va, l'énergie remonter là. Voilà. Ouais, dodge. Allez, encore. Encore un, encore un. Voilà. Allez, encore un. Non. Oui. T'es bien débrouillé, profite bien de ta promotion. Dodge, j'espère que t'apprécieras de te faire virer. T'as su te montrer digne de rejoindre notre école de combat. Qu'est-ce que c'est que cette école? L'école ultra secrète de l'ARP Kido. Elle se concentre sur l'endurance et l'opiniâtreté. Notre devise, c'est tenir bon jusqu'à ce que l'ennemi s'écroule. L'idée, c'est de tonifier tes muscles afin de t'en servir à leur pleine capacité. Ok, je vois, merci. Un style de combat basé sur une bonne endurance. Donc ça, j'aime pas trop parce que moi, j'ai envie de jouer esquive. Mais en fait, il faudrait que je passe, du coup, je pense, le... C'est quel métier? Le métier où on tord les barres, ça doit être la force. Et le métier où on fait les nouilles, c'est l'esquive, je pense. Donc il faut absolument que je fasse le métier des nouilles. T'as dévoré une nouvelle école de combat, félicitations. Ouvre l'onglet combattant. Toutes tes écoles de combat se trouvent ici, tu n'es qu'au début du chemin. Voyons un peu ce que propose cette nouvelle école. De nouveaux talents, pour les activer, tu devras utiliser une compétence qui appartient à cette école. Ah oui, il faut aussi qu'on jette un coup d'œil là-dessus, l'arbre des techniques. Cette compétence fait partie de l'école que tu viens de déverrouiller. Donc elle active ses talents. Ces compétences appartiennent à la nouvelle école de combat. Ok. Ah, je suis Nouiman, moi, c'est sûr. Hein. Amuse-toi avec les nouvelles compétences de l'arbre des techniques à plus. L'arbre Kido, quoi. Et moi, je joue pas blocage, en fait. Après, ça se trouve, faut faire blocage plus esquive. En fait, dans tous les cas, je vois pas un monde. Ah, ou si je pars en coup de pied médian, du coup. Et après, peut-être là, il y aura les queutrues. Quel jeu de Zinzinus! Je garde mes points. Parce que si j'arrive à débloquer l'école, je serais content d'avoir plein de points de côté en vrai. Mmh. Je suis dans la merde. Du coup, on peut s'inscrire comme ça? Ah, mais là, je dois me battre contre qui? Contre Sangmo? Il est 2-3-2. En vrai, je pense que Sangmo, je le fume. Je m'inscris au combat. Je m'inscris au combat et là, il faudrait que j'aille bosser de nuit. Si j'y vais, il sera pas encore à... Ok.
Là, le problème, c'est que je peux pas manger direct. Si je mange, je perds une heure et demie. C'est pas grave. J'y vais en voiture. 10$ pour aller là-bas. Hein. Jeu à l'infini, ouais, c'est trop bien comme jeu. Hein. Ouais, l'école bleue. École bleue, je pense que c'est l'esquive. C'est la phase. Oh, moi, j'attends ce jeu depuis si longtemps, c'est turbo phase. Hein. Et nous, ça suffira pour aujourd'hui. Repasse à 19h quand on aura de nouveaux clients. Ok, 7h du mat. 7h du mat. Là, on est encore bien. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on... faudrait qu'on travaille, en fait. On va bosser. Hein. On va faire de l'argent. J'ai plus qu'un seul kit culinaire. Faut pas oublier que j'ai des trucs sur moi. D'ailleurs, je vais me reprendre une barre énergétique. Je vais reprendre 2-3 kits culinaires. Deux repas. Et on va acheter des bonbons. Il est 8h du mat. J'ai des frissons. Ah, je peux parler au janitor, c'est vrai, maintenant. Bah, j'irai lui parler, attendez. 19h, on rappelle. À 19h, je peux aller bosser. Et là, on pourra pas y aller en payant. Ok, je suis full énergie. Je mets 2h à y aller. Faire des pompes. C'est 19h, c'est ça? Pff, quelle dinguerie. Quelle optimisation des plus optimales. Hop là. Je vous l'ai dit, je partirai pas tant que j'aurai pas récupéré mon argent. Tu vois bien? Ouais, t'as qu'à entrer par derrière. Et parce que tu bosses dans ce bruit, oui, j'ai dit de te rembourser, la bouffe était dégueulasse. On se calme, doit y avoir un moyen rationnel de régler le problème là. Je t'accorde une promotion si t'éclates ce connard. Vas-y, viens là. Méditation, restaure plus d'énergie entre chaque round. Ça, c'est ce que je veux. Augmente les chances de réussir une esquive. Mama, restaure un point d'énergie en cas d'esquive ratée. Lorsque vous êtes acculé dans les cordes, vos attaques ont une petite chance de repousser l'adversaire. Le taekwondo! C'est le taekwondo! Avec des coups de pied médian, des coups de pied haut et des esquives. Oh, vas-y, moi je joue ça moi. D'ailleurs, je peux pas mettre un coup de pied médian moi? Oui, je joue coup de pied médian et coup de pied haut. Moi j'ai coup de pied, médian. Ça aurait pas le coup plutôt que je mette double coup de pied médian, je m'en rends pas compte. Je comprends pas. Ça, ça coûte 4 d'énergie, 40% égale 4. Ça, ça coûte 5 d'énergie, 5 plus 40%. 4 plus 40%. Un peu moins de dégâts qu'un coup de pied consomme un peu moins d'énergie. Non, bah go comme ça alors. Allez. Oh, par contre, c'est un énervé, lui. Hein. Pfiou. Heureusement que j'ai des bons dodges. Non, bah oui, mais il joue ce que je veux jouer aussi. Oh, le bâtard. Allez, mets-lui bien, là. Voilà. Oh, c'est chaud. Oh, oui. Non. Allez, mets-lui, là. Boum, boum, boum. T'es un dommage. Non, non, non. J'ai tout pris. Non. Oui. Non. Oui. Allez. Quoi? J'ai pas eu le droit de rattaquer là? Oui. 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 Esquive. Non. Non, je suis KO. Allez. Oui. 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 Non. Non. Oh, je suis encore devant. Putain, c'est chaud. Mon énergie, c'est chaud, hein. Non! Non! Oui! Non! Oui! Non! Je suis mort. Tape en premier, tape en premier! Oh! Allez! Jamais douté. Hé,
Ouais, j'ai dû me tromper, t'avais raison. Comme ça, la chatte. Alors, cette promotion, t'as prouvé ta valeur, je le reconnais. D'accord, tu pourras continuer à faire ce que tu fais, mais tu seras un peu mieux payé. Youpi. Le service client. Une dernière chose. Oui ? Ça te ferait pas de mal d'être un peu plus agile, je te suggère d'intégrer une école de combat spéciale. Quelle école ? Celle du Taekwondo, un ancien art martial basé sur l'agilité et la vitesse. L'idée, c'est de tonifier tes muscles afin de t'en servir à leur pleine capacité. Ok, je vois, merci. Et de rien. Un style de combat basé sur les coups de pied fréquents et les esquives. Oh, let's go. Là, on part en Taekwondo, pas d'attaque, passer la phase d'attaque et récupérer de l'énergie. Ah mais c'est ça que j'aurais dû faire, putain, je suis trop con, la véritaire. Genre... En fait, j'aurais dû mourir... À la fin, j'aurais dû enlever deux attaques pour faire... Enfin, enlever au moins une attaque pour faire que deux phases d'attaque et récupérer de l'énergie à chaque fois. Ne subir aucun dégât si vous réussissez à esquiver une attaque. Si je bourre 4 esquives, ça consomme de l'énergie. 1 plus 4... Ah oui, ça consomme 2 d'énergie, les esquives. Les esquives, c'est chaud. Monte les chances de réussir une esquive. Là, pour l'instant, j'ai restauré plus d'énergie entre chaque round. Mais là, faut que j'achète des queutrues, là. Le Taekwondo. Quoi ? Quoi, 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 Koubé ? Il faut 4 pour... Oh là là, le bazar. Je suis à combien, là ? Je suis à 3 de raquettes. Oh les bâtards. Vas-y, je continue, hein. Il faut travailler, c'est important. Hein. C'est le jeu complet. Hein. Ok, $125. Sachant que demain, c'est le jour du combat, je crois. Hein. C'est le jour du combat. Il reste 13 heures pour se battre. Et du coup, je suis pas énergie aide. Il faut que je mange. J'ai perdu v'là les points de vie. C'est la merde. C'est la merde. C'était un peu impétueux de ma part de faire ça, en fait. Ah ouais, j'ai pas de vie. Au secours. Au secours. Il me reste combien de temps pour me battre? 9h40. Ça restaure 3 points de vie. Putain, mais c'est si peu. Après, je peux aller me faire sucer par le robot, en vrai. Je me fais masser, quoi. Et là, je dépense de l'argent pour faire du breakdance. Ça dure 1h30. Petit breakdance, je passe level 4. Et là, level 4, je vais acheter le coup de pied haut. Pareil qu'un coup de pied standard, mais plus haut tout en coûtant moins d'énergie. Et là, j'ai envie de te dire, c'est dinguerie, quoi. Coup de pied haut. Coup de pied haut, coup de pied médian. Ça me débloque des passifs. Attends. Se relever après un KO, restaure plus d'énergie. Restaure un peu d'énergie entre chaque round. Comment je fais pour l'avoir, ça? Non mais attends, c'est là. Putain, quel abruti! Coup de pied haut. Coup de pied haut, coup de pied médian. Full esquive. On n'a pas de modificateur. Donc là, on augmente les chances de réussir une esquive. Restaure plus d'énergie entre chaque round. On va aller voir. Mais je pense que là, on va l'éclater, le frère. Il faut des compétences avec le coin de la bonne couleur. Genre là, c'est bleu. Ah oui, le coup de pied. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Subir aucun dégât sur SUS qui est. Donc ça coûte 4 d'énergie, ça coûte 5. En vrai, je ferais mieux de mettre que des coups de pied haut, non? Coup de pied médian, on s'en fout. Pardon.
Je serais venu mettre que des coups de pied haut. Et donc l'esquive ne compte pas dans l'école en fait. Yo, c'est encore moi. C'est toujours un plaisir de te revoir. Tu peux maintenant choisir une école de combat, j'ai dit un coup d'œil. Voici toutes tes écoles, il n'y en a pas des masses pour l'instant. On va choisir celle-ci. Chaque école propose ses propres talents. Plus tu utilises des capacités de même école, plus ses talents sont activés. Il est temps de les activer. Non mais fais chier. Choisis l'une des capacités de cette école. Mais on a compris, regarde, t'as activé un talent d'école. Ouais l'ami, je pense que t'es suffisamment assez malin pour comprendre le reste tout seul. Mais j'ai déjà tout compris. Je vais lui péter la tête lui, hein. En plus il est école de base. Oh, je vais lui casser la gueule. Hein. Vraiment, je vais te casser la gueule. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Hop là, esquive. Hop là. Aïe. Tac. 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 Ouf. Boum. 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 Donc là, je restaure de l'énergie. Hein. Enfin, plus qu'avant, quoi. Ah, mais il s'économise bien en face, le fumier. Hein. Ok, là ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre déco. Pour régène. Et pour pas tomber au sol en fait. Ah, peut-être que je mette moins de points en esquive en fait. Ça régène pas de ouf quand même. Ouais mais bon. Là je peux y aller full pied et c'est terminé quoi. Tiens. Maîtrise du coup de pied haut. J'ai 394 ans. Non, c'est juste il a un score, mais en fait on peut pas lui parler pour autant. Je vois. Je vois. Putain, mais j'ai plus de ça. Aïe 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 aïe. Il faudrait bosser de nuit là. On va avancer là-dedans là. Dans les métiers en vrai. Qu'est-ce qu'il vend lui déjà? Oui, la barre de muscu et tout. Donc moi il faudrait que j'achète le punching ball. Là. Le punching ball, il traîne à fond le bleu. Et on va plus jouer bleu, apparemment. Le janitor, c'est une ref à scrub, voilà. Clairement. Il y a déjà un nouveau combat. Mange des barres énergétiques. Je peux faire ça. Hein. J'ai le droit de faire ça. Ça donne quoi, les barres, déjà? 15 de bouffe, 15 d'énergie. Bon, c'est pas non plus... Enfin, c'est vrai que je peux les bouffer, mais ça c'est plus à utiliser en urgence en fait. Faut plus utiliser ça en urgence en vérité. Mon prochain truc c'est les 100 vents. Coûte plus d'énergie qu'une esquive, mais a de meilleures chances de réussir. Après le coup de pied tournant à la tête, briser le rythme, modificateur d'attaque, réduit l'énergie de l'adversaire. Il a l'air d'avoir des dingueries quand même un peu partout. Hein. Le coup de pied bas inflige encore plus de dégâts qu'un coup de pied pour le même coup en énergie. Ouais, le problème c'est que du coup c'est pas la bonne couleur et tu débloques. Après il y aura peut-être des écoles genre verte bleu. Je pense qu'il y aura ça. Hein. Modificateur d'attaque a une faible chance de repousser l'adversaire. Je peux avancer dans l'autre arbre. Celui-là non j'ai plus de points là actuellement. Il faut que je rachète une cassette de Rocky là. L'autre arbre j'ai tout pris. Ok. Ma quête, elle me dit quoi déjà? Faut pas que j'aille à la police. Faut que j'aille voir la police, je crois. Parler à Lolo Capitaine. Faut que j'arrive à aller voir la police. Le combat, ce sera encore contre... Ah non. Le combat, maintenant, c'est contre Mad Mike. 2-4-3. École de base. En vrai, Mad Mike, je le fume, hein, je pense. Hein. Dans deux jours, Mad Mike... Silver, appel entrant. Hey, comment va mon combattant préféré? Je pense pas l'avoir croisé aujourd'hui. Ah, Corias, mais Modeste, je t'aime bien, mon petit gars. T'es en train de grimper dans le classement du tournoi comme un... Ouais, comme un mec qui grimpe, ouais, doucement mais sûrement. Merci.
Le prochain combat, tu vas devoir le perdre. Pourquoi ? Le type que tu dois affronter, c'est un gros bonnet, il a un très gros SBC. Je t'en prie, déclare forfait sur ce coup, ok ? Je te revaudrai ça. Quoi, Koubé ? Merci Lobo Gang pour les 8 mois. J'ai le droit de prendre une décision là ? Soit je me couche, soit je me couche pas. C'est quoi la récompense? Bah j'en sais rien. Hein. J'aime pas perdre. Bah je peux pas décider à ta place, Jono, mais crois-moi, ce serait mieux pour tout le monde si tu perdais. Hein. Déclarer forfait pour un combat. Plus dollar. Mais j'ai pas envie de me coucher. J'ai pas envie de me coucher, c'est quoi ça? On est où là? Comment ça, je vais me coucher? L'argent. Ah putain, mais oui, je suis arrivé trop tôt, quel abruti. J'aurais pas dû prendre le bus, putain. Mon chéri, oui maman. Je me sens si faible aujourd'hui, il doit y avoir une tempête géomagnétique qui se prépare. Ah, ça m'embête de te demander ça, mais vu que t'allais sortir, de toute façon, pourrais-tu m'apporter quelque chose pour soulager mes maux de tête? Bien sûr maman, pas de soucis, je te prendrai un médicament pour le mal de tête à l'épicerie d'Apou la prochaine fois que j'y passerai. Bon, il y a un monde où je peux y aller maintenant. Hein. Mais bon. Merci Renil pour les 22 mois. Pap. Il y a Mercure en rétrograde. Ça a l'air confortable mon lit de camp là. Ouais, faut que j'aille voir la police aussi. Ça coûte combien? Bonjour Apu. Salutations. Avez-vous des médicaments pour la tête? Bien sûr, vous devriez pas abuser de l'entraînement, vous savez. C'est pas pour moi, c'est pour ma mère, elle est un peu patraque aujourd'hui. C'est embêtant, ça. Tenez, voilà votre médicament. S'il vous plaît, donnez également ceci à votre mère de ma part, c'est offert. Un cadeau. Je n'y manquerai pas, bonne journée. À vous également. Attends, ça va être mon beau-père, lui. Bizarre. Il tient un nouveau lit. Maman a l'air de dormir. Il reste 6 bonbons. Pas beaucoup, hein. Faire des pompes, hein. On va aller bosser aux nouilles. Il va pas avoir toute sa tête, le beau-père. Incroyable. Incrédible. Commencez à travailler. Préparation de nouilles, on est à 25 de réputation. On doit pouvoir monter 4 fois le bazar, non? T'as joué quoi comme build? J'ai l'air d'être parti sur un build plutôt esquive et coup de pied. Je crois que c'est ce que j'avais fait dans le 1 aussi. Ok. 165 balles. Et là, elle va dormir encore, c'est sûr. Ah bah ils ont gagné à Aegis ou pas? Ça a été win ce soir ou pas? Ça part sur un build arc, ouais. Comme d'hab, quoi. Non. Oh merde. Coup dur. 165 balles, je ferais pas mieux d'acheter genre le punching ball en vrai? Horaire d'ouverture, oui ça ouvre la nuit ça, putain, il casse les couilles. Putain, mais en fait elle vit la nuit. C'est ça le bail. Elle vit la nuit. Comme nous, ouais. Lolo flic. Bonjour. Déjà de retour, je pense pas que t'aies un SBC suffisant pour devenir policier. Je me demandais ce que ça fait d'être un holo flic. Bah ça gamin, c'est génial. Je peux servir la grande corporation et aider les gens même après avoir passé l'arme à gauche. Pourquoi veux-tu savoir ça? Bah j'ai rencontré un type. Qui ça? Il m'a pas vraiment donné son nom, un long manteau débordant de frustration et qui déteste les holo flics. Oh, ça m'a tout l'air d'être cas. Ça fait un bail que je l'ai pas vu, comment va-t-il? Il broie du noir. Ah pas étonnant, on était coéquipiers à une époque, tu sais.
Que s'est-il passé? Eh ben, disons que dans ce boulot, soit on résout une affaire, soit on devient un élément de cette affaire. Et K a très mal supporté mon décès. Mais vous êtes de retour, enfin, en quelque sorte. K a peut-être mentionné l'accident, c'était pas joli joli. Nous avons tous les deux fait des choses que nous regrettons. Oh, Sage. Nous avons essayé d'oublier, K s'en est mieux sorti que moi, nous ne sommes plus jamais reparlés depuis. Pour faire court, K considère les holoflics comme des souvenirs contrôlés, des outils, pas des gens. Oh? Ouais. Il est trop Sage. Mais avant ça, tout allait bien, on se gavait ensemble de donuts à la framboise. Tu sais quoi, peut-être que tu pourrais aider K à changer d'avis. Comment? Une minute. Moi aussi je vais aller dans le restricted area là. Ça a l'air trop bien. C'est son insigne de policier. Pour toi, ça a l'air de rien, mais K a de nombreux souvenirs qui y sont associés. Tu crois que tu pourrais lui donner en signe de ma bonne volonté? Bien sûr. Les holoflics rêvent-ils de moutons électro... Quoi? Les holoflics rêvent-ils de moutons électriques? On en est là, donc. Ref à un livre. Il y a tellement de refs. Je les ai pas toutes. Hein. On peut travailler la journée aussi, hein, mais moi j'aimerais bien juste que ma daronne elle soit up. Blade Runner, putain j'ai pas la ref Blade Runner, au secours. Ça va se réveiller la véritaire ou quoi là? Allez debout. Maman, je suis là. Ah, oh, déjà de retour, as-tu trouvé ce que je t'avais demandé? Bien sûr, l'épicier m'a même offert un petit truc pour te remonter le moral. Oh, comme c'est gentil de sa part, c'est mon chocolat préféré, tu sais quoi, je me sens déjà mieux. Ah bon, vraiment? N'oublie pas de remercier ce gentil monsieur la prochaine fois que tu passeras par sa boutique. D'accord. À moins que je ne passe le remercier moi-même. Cette conversation est en train de devenir malaisante. À plus tard, maman. Ok, let's go là-bas. Merci la Durin pour les 26 mois, des gros bisous. T'as pas un combat aujourd'hui, j'aurai un combat le lendemain. Ouais. Donc là, mettons, j'achète le punching ball pour $150. J'aurai un punching ball chez moi maintenant. On va pour autant travailler quand même. Pas un pognon. Cyborgdax pour les 15 mois de prime, la bagarre. Jacuzzi, merci pour les 2 ans de prime. Des gros bisous. Merci à toutes et à tous. Hey, Stakhanovis, tu devrais rentrer chez toi et te reposer un peu, là. Il y a des robots ici pour bosser pendant la journée. Mais je suis pas fatigué? Ah, je t'ai dit de rentrer, c'est le règlement en fin de conversation. Donc là, j'ai faim, mais en niveau énergie, ça va. Attends, c'est le jour de combat, là. Et là, elle est debout, là. Et vas-y, je comprends plus rien. À l'énergie, par contre, on a vu mieux, hein. L'énergie, faut que je dorme. Hein. Est-ce qu'il y a un monde? Ou pour rebooster mon perso, je me fais un entraînement d'abord. Je pense qu'il y a un monde. Hein. Je pense que ça va me rendre électrisé et potentiellement ça va me remettre bien. Bof non? Bah je sais pas. Win. Tu vas perdre des HP, mais les HP je peux les re-récupérer, c'est rien ça. Genre là j'ai 8 heures encore de combat. Si je vais là, allez, je perds d'énergie, c'est ça le problème. Ah, j'ai pas une barre énergétique là? 15 d'énergie. Le breakdance ça coûte $12. Essayez de tenir 12 runes face à Joe Jones? Que j'ai le droit de faire ça, parcourir 42 km sous un soleil de plomb.
Ressentez ce que ressent un funambule. Ça coûte 36 de bouffe et 18 de... J'ai envie de faire ça, moi. Je peux acheter au robot rose. En plus, je crois, hein. Tu tiens pas 12 rounds face à Cyril Gane. Je tiens pas 12 millisecondes face à Cyril Gane. Lui, il vend des barres prot. Il vend des boissons énergétiques aussi. Hein. Je vais me doper avant le combat, en vrai. Je me dope, là. Hein. Hop. Il devait perdre, il va éclater son adversaire. Mais parce que je sais jouer au jeu, en fait. Non, non, non. Mais putain, mais non, 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 non. Ça suffira. Oui, va, ça suffira pour aujourd'hui. Je vais le défoncer, hein. Lui, je vais le défoncer, en vrai. Hein. Après, il n'y avait pas un monde où... Putain, je crois qu'à 5, je pouvais acheter un queutru, non? Ou c'était à 7, je sais plus. Tiens, mange. Aïe. Oui, aïe. Oui. Putain, mais eux, là, la gestion de l'énergie des ennemis, elle est assez incroyable, en vrai, je trouve. Hein. Après, ils sont... Ah, il a que 2 esquives. Je devrais peut-être virer une esquive. Je sais pas comment ça marche, en fait. Peut-être en mettre 3, c'est suffisant. Hein. Les attaques coûtent cher aussi. Bon, c'est ce qui me permet de gagner à la barre de vie, quoi. Mais par contre, il dodge trop bien ce fumier, là. Bizarre un peu, là. Il est sur un round d'économie, lui, mais qu'un seul coup à chaque fois. Oh le bâtard. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais arrête de pas toucher! Voilà. Vous êtes encore électrisé. 557 de bazar là. GG le clutch, ouais, zéro clutch en vrai, c'est juste win en fait. 20h05. Tu devais perdre. Ah non, mais ça, moi je perds pas, moi, je me couche pas. Hein. Moi je me couche pas, ça va pas. C'est tellement OP ça. Nouvelle technique disponible, une technique verte. Tu vois ? Coup de pied bas, le crochet uppercut. Dégâts de ce coup de poing ne dépendent pas de la force, mais ils consomment beaucoup d'énergie. Il me faut tellement de points bleus, c'est terrible. Hein. Inscription accessible, on veut me faire battre contre qui ? Ah, Uei ! Tu vois, Uei, il est 714, 3, 4, 5. Il y a un monde où je le défonce en rien. Si je me prépare bien en 2 jours, je pense que je peux le fumer, Uei. Il est que 3, 4, 5. Hein. Il joue esquive et blocage. Ouais, je pense que je le fume. Hein. C'est une de mes quêtes en plus. Je vais m'entraîner là. Je vais arrêter de bosser, je vais m'entraîner. C'est quoi ce bruit? Faire des stats comme dans le premier ou pas? Comment ça? On m'appelle là? Salut mec! Petit bobo? Je crois que nous nous connaissons suffisamment bien à présent pour que je te révèle mes petits secrets et passe à la maison abandonnée après la tombée du jour. J'aurai quelque chose d'intéressant à te montrer. Mais viens seul, hein, assure-toi de pas être suivi. Pourquoi pourrait-on vouloir me suivre? Ah, j'ai plus de bouffe! Aïe! Il va falloir bosser, frérot! Check ton énergie. Est-ce qu'elle a mon énergie? Comment on voit son énergie dans le jeu?
Je sais pas comment on fait pour voir l'énergie. Je peux pas passer genre une minute dans le jeu là. Okay. Faut être raillé là. Retour à l'usine. Ça va, 22h ça ? Oui, dans le 1 on pouvait perdre des stats, c'est vrai. C'est l'achat du Punching Ball, ça m'a coûté trop cher en vérité. Hein. Punching Ball, c'est cher. Hein. Il me reste que 3 bonbons aussi. C'est un investissement Maverick Entrepreneur. C'est vrai que par contre, c'est un investissement pour passer UA. T'es venu seul ? Ouais. T'as pas été suivi ? Bah, pas depuis la naissance, à ce que je sache. Bien, alors il y a un truc que tu devrais savoir, pour occuper mon temps libre, j'ai un petit hobby, je suis hacker. Délire ? Ouais, je sais, en fait, je suis en mesure de hacker le système SBC, en échange d'une modeste contribution, bien évidemment. Y a-t-il pas un risque de se retrouver en prison pour ça ? Bien sûr, mais ça arrivera pas vrai, il suffit de faire ça tout en douceur, histoire d'éviter de se faire repérer. Comment ? Bah, je peux augmenter la quantité de points de SBC gagnés pour chaque combat remporté au sein de la ligue. De combien ? Plus la différence avec le SBC des adversaires est importante, plus la récompense est importante. Que dois-je faire du coup ? Le principe est aussi simpliste que le script d'un Steven Seagal. D'abord, tu t'inscris pour un combat de ligue, tu passes me voir ici et tu me paies pour mes services. Ensuite, tu te rends à ton combat, si tu le remportes, tu obtiendras le bonus SBC. Comme le dit Bobo, quand il fait un beau rêve, c'est tout bénéf. Alors t'en dis quoi ? Ah ouais, si je perds le combat, alors tu perdras plus de points SBC. Le vainqueur remporte la mise, la formule est assez impitoyable. Si je loupe le combat, cela reviendra au même que si t'avais perdu, mais tu perdras plus de points. Donc pour 20$, je peux augmenter le prochain combat. T'as déjà installé un logiciel sur ta puce ? Installé quoi ? Le truc le plus cool quand on a une puce, c'est le logiciel. Ça booste fastoche. Du genre, il existe des logiciels pour le travail et d'autres pour se simplifier la vie. Renseigne-toi un peu en ville, il y a plein de gens qui pourront te proposer de t'installer leur logiciel. Moi, par exemple, je pourrais t'installer mon meilleur programme, ça t'intéresse ? Que fait ce programme ? Il t'envoie des notifications afin que t'oublies pas de hacker ton prochain combat. Ça va me coûter combien ? Pour toi, ce sera gratuit, mon ami. Vas-y. Ok, c'est parti. Programme spécial de Thibaut Bourg en la vie plus belle, plus cool et plus pucée. Effet, ceci vous rappellera la disponibilité de hack pour les combats de ligue. Condition d'installation, j'accepte les termes de l'accord, je souhaite recevoir des notifications utiles, je mets mon SBC à disposition de Thibobo. Je considère la case précédente comme cochée. Félicitations, tu vas sentir la différence, je peux te l'assurer. Et du coup, il me faut 20$ avant le combat contre UA. Un peu plan cul, là. Hein. Ouais, on peut demander des logiciels aux gens maintenant. Non ! J'ai regagné mais... Non putain, j'étais à deux doigts de regagner 32$ et ça l'a pas fait quoi. Ma vie est un mensonge. C'est des 3 become human ou un petit peu. Hein. C'est jusqu'à 20h ça, je vais encore me faire baiser. Oh ça va. Ça aurait pu être pire. Ils vendent des queues trulles ou pas hein. Acheter. Thibaut m'a dit que vous aviez un logiciel qui pourrait m'aider à mieux travailler. Le double bobo, la mélange de baveuse, le smoothie. Et lui. Ok. En vrai, là-bas, il doit y avoir un logiciel trop stylé, en vérité. Je vais essayer de gagner du temps, là. Ouais, faut que je gagne du temps, là. Beaucoup de refs Futurama, il y a beaucoup de refs à tout, en vrai.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le coin rouge. Génial, il a finalement réussi à se bourrer la gueule. Immense et terrifiant, l'Undertaker. Ça vient d'un vieux truc à la télé, je le regardais avec mon père. Le catch, tu connais? De gros costauds couverts de maquillage qui se foutent sur la tronche pour rigoler? C'est pas trop mon truc, hein. Bah, je préfère les vrais combats, hein. T'as plus de choses en commun avec les catcheurs que tu l'imagines. Comment ça? Tu suis le script qu'on a écrit pour toi et c'est quelqu'un d'autre qui décide du moment où tu dois te coucher. Tu finiras par te coucher et te fais aucune illusion là-dessus. Comme l'a un jour dit un homme très sage, la vie c'est de la merde et puis on finit par crever, voire pire. Comment ça, pire? Vous étiez le coéquipier du capitaine, pas vrai, avant l'accident? J'ai aucune envie d'en parler. Allons, K, vous lui manquez beaucoup? Écoute, la ville n'est plus qu'elle était. Comment t'expliquer ça pour que tu le comprennes? Imagine le boxeur le plus coriace, le plus méchant que t'aies jamais vu, mais déguisé comme ta chère maman. Et il est là, en attendant que le moment où tu te pencheras pour goûter à sa délicieuse tarte, pour te latter les couilles avec une telle violence que plus rien ne sera plus jamais à sa place après ça. Bah, je sais que c'est très difficile pour vous, mais c'est pour ça que le capitaine m'a donné cet insigne. À vrai dire, je sais pas trop ce qu'il peut représenter, ni pourquoi il n'arrête pas de clignoter comme un gadget d'espion, mais il m'a dit que vous comprendriez. Il tient à ce que vous sachiez qu'il n'a pas oublié, et que vous comptez encore pour lui. Ah, t'es désespérant, tu le sais ça. Je vais te dire pourquoi il clignote comme un gadget d'espion, c'est parce que c'est un gadget d'espion. Pas le sang bleu! Et grâce à toi, ils savent désormais précisément où je me trouve. Du coup, pourrais-tu me rendre un petit service? Et bien sûr, balance cette chose dans la première poubelle venue et oublie toute notre rencontre. Ça fait deux services, ça, non? Une dernière chose, fais confiance à rien ni à personne, même pas à moi. Mais attendez, une fille à trois nibards. Hein, où ça? Bon sort juste après qu'il m'ait dit de faire confiance à personne, comment je peux me laisser avoir? Auriez-vous un logiciel qui pourrait m'aider à travailler? Je commençais à me demander si t'allais un jour te décider à m'en parler. T'as prouvé ton application au fourneau, la sueur se doit d'être encouragée. J'ai donc te laissé installer notre programme spécial, il s'appelle Vibro Passoir. Grâce à lui, tu pourras secouer les nouilles encore mieux et du coup, elles seront un peu moins collantes. Pas question. J'ai dit un petit peu, mais c'est certainement le plus important à ton niveau. Vibro Passoir augmentera ton efficacité pour 20$ de frais d'installation, il est à toi. Alors ça t'intéresse? Oui. Ce sont les paroles d'un authentique employé du mois. Vos nouilles sont devenues impressionnantes, avec elles votre réputation. La gestuelle de la préparation augmente votre agilité, augmente l'efficacité du travail. Vibro Passoir, une bonne journée commence par une délicieuse portion de nouilles. Coût 20$. Je m'engage à ne pas envoyer de logiciel à des tierces, quartes ou quintes parties. Je m'engage à honorer la grande tradition de la nouille. Parfait, maintenant tu vas secouer les nouilles comme Gilo secoue ses bouclettes. Et quand vous dites bouclettes, j'imagine que vous parlez surtout de ces... Oh que oui mon gars, oh que oui. Putain mais les gros pervers là. Attends, il y en a un autre logiciel? Hey, déjà installé, va en cuisine, mets-toi au travail, c'est tout ce que t'as à faire. Il vend quoi, lui? Des nouilles tièdes? C'est quand même 30 de bouffe, ça. 30 de bouffe, 5 d'énergie, c'est pas mal, hein. Genre là, mettons, j'en prends un, je le mange tout de suite. Ah ouais, je vais beaucoup plus vite en... en production quoi. Et nous, ça suffira pour aujourd'hui. Ok, on a $156. Par contre, on est vraiment triste de travailler tout le temps là. Le combat, c'est demain. Ah non, c'est dans 55. Oh putain. C'est chaud. Faut que je m'entraîne pour être heureux. Envie juste d'être heureux quoi. Ah mais j'ai gagné un point d'énergie. J'ai 4 actions par tour maintenant. Et comment ça se fait que j'arrive à enchaîner 4 coups de pied alors que j'ai que 3 coups de pied là? Je crois pas. En tout cas, j'en enchaîne 4. Ça boucle, ok. Par contre, niveau énergie, je perds tellement d'énergie, c'est l'enfer. Faut que je fasse gaffe à ça en vrai. Je suis vidé. On a le combat contre UA là.
Trop dur à remonter les points de vie en vrai. J'ai plus rien à bouffer là. Heureusement j'ai de l'argent. Ah putain, il ouvre à 22h, lui je suis baisé, fallait que j'aille rigade avant. Ah, je lui baisé, non. Le robot masseur, ouais, on va se faire masser, c'est sûr. J'achète des queues trucs comme ça, si je me fais masser, tout va bien. On va le faire à distance avec le logiciel, je crois pas, hein. C'est juste un logiciel qui te le rappelle. Sors de là. Une heure et demie, j'ai bien le temps de faire un queutru, non? Putain, j'ai pas d'argent. J'ai plus d'argent! Je ne suis que 4-6-4, c'est meurt. La bouffe, on est d'accord qu'on s'en tabasse en vrai pour le combat. La bouffe n'a aucune importance pour le combat, je pense. Écoutez, j'espère. Hein. Que là, c'est Uei. Cher personnage secondaire, l'heure de votre débat... Tiens, cher personnage secondaire, l'heure de votre débat classonné. Cordialement, le seigneur Uei. Elle aurait pas un peu trop serré sa casquette, sa seigneurie? Alors là, faut faire gaffe parce que mon énergie, elle va descendre. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ça fait coup de pied, rien, coup de pied. Et en termes d'esquive, lui, il a l'air de taper 3 fois, donc on y va comme ça. Coup de pied, rien, coup de pied. Ah non, j'ai repris l'avantage, je sais pas comment. Bon, un coup médian. Mais le coup médian, il coûte quand même 5, je crois. Hein. Le coup médian, c'est 5 d'énergie, c'est beaucoup. Hein. En vrai, 2 coups de pied par 2 coups de pied, ça a l'air d'être bien. Oh, mais esquive un peu, là. Voilà, ça, c'est bien, ça. Oh, non. Voilà. Encore. 1, 2. Oh, dommage. C'est un bon round, ouais. Tu perds le buff d'esquive. Ah oui, ça, c'est vrai, par contre. Ouais, je vais le remettre, là, bientôt, là. Ouf. Oh le bâtard, il a bloqué. Non. Ah mais là mon énergie elle va déplate de fou en fait. Non. Oh le bâtard, mais faut pas que je perde là. Ouais. Non mais esquive un peu. Il esquive rien. Allez tout, mets tout là. Sois longue, au revoir, j'ai perdu. C'est génial. Nick, c'était rigged. Oh, putain, ça se passe trop mal. Ça se passe trop mal. C'était full rigged. Un petit pas de plus sur le chemin de la gloire, acceptez-le. C'était full rigged. Heureusement que t'avais pas rigged aussi. Ouais, c'est vrai. Hein. Parfois faut accepter la défaite. Non. T'avais Ackerman? Non, j'avais pas Ackerman, heureusement. T'as chier là. Je vais revenir plus fort. Je vais revenir plus fort, je vais lui péter la gueule en vrai. Putain non, je dois jouer contre Mad Mike, la merde. Vous pouvez hacker votre prochain combat. Ouais, level 7, j'ai la peur que ça prenne là. J'ai les 120. Coûte plus d'énergie qu'une esquive, mais a de meilleures chances de réussir. Ouais, le problème c'est ça, c'est que ça coûte plus cher qu'une esquive classique, quoi. La voix du singe dansant, combiné des coups de poing, ne restez jamais en place, surprenez et écrasez l'adversaire grâce à votre agilité. Attendez au bon moment pour donner tout ce que vous avez, dominer l'adversaire en comptant sur votre endurance.
Elle est bleue. C'est vrai qu'elle est bleue. Là où l'esquive de base n'est rien du tout. Ce qui fait que par exemple sur l'école du taekwondo, on peut dire Rin-Rin. Les 100 vents. Faire ça. Lorsque vous êtes acculé dans les cordes, vous attaquez une petite chance de repousser l'adversaire. On n'est jamais dans les cordes en vrai. Restaure un point d'énergie en cas d'esquive ratée, ça c'est très bien. Normalement on est bien comme ça je pense. Oh, ce bordel, c'est in-game ce bruit, ça fait trop peur, what the fuck. Faut aller travailler là. J'ai encore loupé ça parce que je suis un tocard. T'as plutôt bien travaillé jusqu'ici, on peut discuter, c'est vrai, je peux t'installer un nouveau programme sur ta puce, il s'appelle Castaver, avec tu frapperas avec plus de précision, la baveuse crachera plus de jus. T'appelais ça du jus? Préfère quoi, milkshake baveux, smoothie à la mort ou bien? On va rester sur jus hein. Alors tu veux l'installer? C'est juste 20$ et c'est sans abonnement. D'accord. Et voyons ce qu'on peut faire. Je peux pas installer mon logiciel avec ces autres trucs en mémoire. C'est quoi cette histoire? Tu bosses pour quelqu'un d'autre? Tu traînes avec ces mafieux de la déchetterie ou bien tu danses au son de la flûte des Yakuza? Quoi qu'il en soit, si tu veux que mon programme puisse fonctionner, on va devoir désinstaller ce truc, t'en dis quoi? Non. Non bah non. C'est ta caboche après tout. Hein. Ok d'accord, je savais pas que c'était comme ça. On peut avoir qu'un bonus de travail en même temps. En même temps, ce serait peut-être un peu vénère sinon. Ok, $69, on va aller là. Oh putain, il faut faire tout le tour comme ça, quelle brasse absolue. Le hack de SBC. Au prochain combat de ligue, te fera gagner plus de points si tu le remportes. Bien wesh. La bouffe là, c'est chaud la vie là, c'est chaud la semaine là. Bon, envie de faire des nouilles moi tu vois. T'as acheté une boîte de Sherlock Detective Conseil, c'est le Jack l'Éventreur, bodage, quel bonheur. C'est trop bien hein. Merci John Locke pour le sub offert, des bisous. De la renouvelle le sub offert pardon. Merci Darkoniel pour les 18 mois aussi. Des bisous. Commencez à travailler. Me faut de l'argent. Mec refuse de se coucher mais tricher sur son SBC ça va. Bah ouais parce que c'est juste du SBC, c'est du score. J'ai pas rigué le combat tu vois. Le combat n'est pas rigged. Il y a quand même une grande différence. Ok le combat c'est le lendemain là. Ok, je reprends tout ça. On va aller s'entraîner. Avez-vous un logiciel qui pourrait m'être utile? Alors là, je suis bien content que tu me parles de ça. Notre gymnase propose des offres géniales pour les jeunes combattants tels que toi. Il s'agit en général de faciliter l'adaptation au neuro-entraînement. Sans vouloir me vanter, j'écris ça moi-même. Ouah, vous êtes un hacker, Silver. Voyons. Alors que fait-il exactement votre programme? Il aide à se concentrer et rend le neuro-entraînement plus efficace. Je dois te prévenir qu'avec lui, les exercices standards ne seront plus aussi efficaces qu'auparavant. Mais bon, qui a besoin de matériel de muscu à l'ancienne? Nous sommes dans le futur, pas vrai? Bon, mais écoute, alors là, c'est le meilleur point, il est absolument gratuit. Cool. Mais, comme je te l'ai dit, j'écris ce programme moi-même. Et donc on peut dire qu'il fonctionne très bien, mais qu'il reste encore quelques petits bugs. D'une manière générale, il est juste super. Ces petits bugs, ils sont pas du genre fatal, hein. Tu veux essayer? Bien sûr. Oh, j'ai failli oublier, tu pourrais aussi acheter une carte de membre du gymnase. Pour $8, ça te permet de bénéficier de réductions spéciales sur tous nos services. J'ai pas l'argent pour le... En vrai, le neuro-entraînement, moi j'aime bien taper dans des sacs de frappe. Hein. Et la carte de membre, par contre, je suis chaud. Vas-y, Fox, pour les 28 mois. Comment ça, j'ai pas fait mon sub chez Chiche, toujours un plaisir de regarder tes streams. Des bisous, merci Normal Difat aussi pour les 10 mois. Merci, merci. Boum. Boum. Oh, les 100 vents, ça a l'air un peu fort en vrai. Hein. Vas-y, c'est Akubobo pour les 9 mois et Axel M pour les 8 mois. Il a pas de casquette, c'est win.
Merci Fils Statique pour les 10 mois, merci Startopom pour les 19 mois, mais qu'est-ce qui se passe là? D'où viennent tous ces... D'où venez-vous? Merci Tixou pour les 14 mois de Prime. Startopom, Fils Statique. D'où venez-vous les Prime là? Il y avait un truc sur Twitch ce soir, hein? Merci Curtis God pour les 80 mois. Charlie la limace pour les 19 mois. Aegis, non mais Aegis c'est fini depuis longtemps, non? Merci Bandef pour les 23 mois de Prime. On faisait soirée ensemble. Merci Kit pour Faritas pour les 27 mois. Le mythe des 500 est réel. Là c'est parti là. Hein. Alors il me faut de la bouffe, mais de la bouffe j'en ai. Merci PLS2 pour les 4 mois, Papras pour les 3 mois, Konoyuki merci pour les 11 mois de Prime, Zaylas pour les 1 an de Prime, j'ai oublié le Prime. Merci Ivanov pour les 3 mois, Safou pour le Prime. OMG quoi. OMG. Et on a failli s'asseoir sur tout ce pognon quoi. Non mais rendez-vous compte hein. T'as toujours pas été payé par Twitch là? Non, toujours pas. Hein. Ah, un peu le seum quoi, bref. Je pense qu'on s'entraîne à fond là. Genre on fait full entraînement. Comme j'ai un peu de bouffe de côté, UA, j'ai juste envie de l'humilier en vrai. Je vais être level 8, genre. Voilà. Au dodo, moi je vais avoir faim, bien sûr. Bags a été payé ce soir, faut garder espoir. Attends, quoi, Bags de quoi? Payé de quoi? Merci Olive pour les 9 mois de Prime. Comment ça, payé de quoi? Merci Jolamoule pour les 43 mois de Prime. Payé de... Comment ça? Le Rivals. Ouais mais c'est pas des subs ça. Elle a eu mes 500. Ça je n'y crois pas ça. Ah, je suis fatigué du Punching Ball. Bah super. Il y avait d'autres jeux où Twitch faisait gagner des subs. D'accord. Et du coup Bagheera elle est payée. Mais moi et Presser, on va se faire foutre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? 6h40, je vais lui péter la gueule au... à UA, là. UA, la merde. J'arrive UA. Exactement, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais lui péter la gueule. Je vais lui péter la gueule à UA. Ah bah non, mais non, c'est Mad Mike. Ah bah oui, non, mais Mad Mike, je vais le fumer. Enfin, genre, y a même pas de débat, quoi. Bah il va prendre trop cher, lui. Je suis à deux doigts de mettre un troisième coup de pied là, histoire de dépenser v'là l'énergie là. T'as mis dodge bien le bâtard hein. Tiens. Allez hop, un petit 28 dans la gueule là. Tiens. Allez hop. Je joue à Kick Club moi. Maîtrise les 100 vents. Ah mais là c'était trop facile, évidemment que je gagne. Évidemment, genre je l'ai déjà battu lui, c'est une merde. Il nul à chier lui. C'est quoi mes quêtes sinon? J'ai la quête où je dois me coucher, mais je veux pas me coucher. Bah, de toute façon, je l'ai plus cette quête là. Ouais, non, faut que je batte UA là. C'est ça qui va me débloquer la suite.
où j'arrive à battre Uei. Hein. Les cassettes. Oui, il y a les cassettes aussi. Voilà, c'est la journée, donc si je veux aller bosser, c'est là-bas. Le problème, c'est que si on fait ça, on va perdre du temps. Bref. La quête où je dois me coucher, ouais, ça c'est ma quête IRL, hein, j'arrive jamais à la faire. Hein. J'ai des trucs à manger ou pas? Parce que là, il y a un monde où je fais ça. Et ça va faire des nouilles toute la nuit. Hein. Oh, j'espère que c'est Uei la merde. $154, putain ça monte vite hein. Uei, oh je vais te défoncer frérot. On va hacker le combat aussi hein. Ça me semble bien logique ça. On va évidemment hacker le combat. On va jeter le badge dans la poubelle? Non c'est déjà fait ça. Le badge poubelle, c'est déjà fait. Pas ok. Remporter la Ligue Silver. Ah mais putain, il faut que je garde un peu d'argent parce que je suis... Putain, je suis trop con. Si je garde pas un peu d'argent, je me fous dans le seum solo en fait. Parce que je peux jamais acheter le... Je peux jamais acheter la carte de membre. Alors que j'en ai besoin. Donc là je peux pas aller hacker parce que je suis un débile. On sert chelune pour les 20 mois. Il y a un monde, tu peux être softlock par le système énergie bouffe argent. Non, parce qu'en fait, ton pote Mike, avec qui tu regardes les cassettes de cul, là, il te file un beignet gratos si t'as plus d'énergie. Win! Niveau énergie, ça met trop cher un entraînement en vrai. Hein. Premier de s'entraîner à la maison, je pense. On peut parler d'un idol pour ce jeu, c'est un idol game déguisé, ouais. Clairement. Ouais, si je passe level 9 d'agilité là, on est bien. Bon là on veut faire la full nuit encore je pense pour la bouffe. Nouvelle technique disponible. Attends, c'est réel ça? Comment ça, nouvelle technique disponible? Le coup poussé, modificateur d'attaque a une faible chance de repousser l'adversaire, énergie égale 1. J'ai ça moi? Coup de pied tournant la tête, en dépit de dégâts assez faibles, cette attaque utilisée en série est susceptible de réduire un adversaire en charpie. J'ai envie de jouer ça. Ok, donc là... Oh putain, j'ai pas assez d'argent pour ça. On va bosser aux nouilles, mais... Il faut qu'on parte avant le... Avant qu'on puisse plus hacker. Donc on fait de l'argent, mais pas trop. Que j'aurai le temps de faire trois fois les nouilles, je pense pas. Hein. Je les fasse pile trois fois, genre. Ok.
Là, ça va être un combat et ça va me foutre dans la merde. Non, ça, faut que je me le garde pour plus tard. D'abord, allons tuer Uei. La promotion, faut que je me la garde pour plus tard. 14$, j'arrive à l'heure. Let's go. Le hack de SBC, hop, hack mon prochain combat. Ah, faut pas perdre. Hein. Là, faut vraiment pas perdre. Par contre, c'est important de pas perdre. Retour maison. On va se faire à manger, c'est parti quoi. Je vais le tuer, Uei. Je vais le tuer là. Le but, c'est vraiment de le kill en vrai. Attends, mais c'est pas le jour du combat? Quel abruti, bon, c'est pas grave. Je vais prendre une carte de membre. Je peux t'assurer qu'il s'agit du meilleur investissement que tu pourras faire dans toute la ville. Les neuro-entraînements coûtent moins cher. Vous pouvez vous entraîner plus longtemps et récupérer plus vite. Attends. C'est pas la carte de membre, ça. Parce que... il avait dit le logiciel, là. Ah, l'entraînement à l'ancienne devient plus difficile, le neuro-entraînement devient plus efficace. Donc non, moi je veux la carte de membre. C'est pas le même, ok d'accord. Moi je veux carte de membre, c'est le mieux. Désormais nous allons nous voir encore plus souvent, chouette hein. En vrai, go carte de membre. Hein. J'ai de la bouffe de côté là, on est d'accord. Hein. Si je commence à me faire des petites gymnastiques aériennes à 25$ là... En vrai de vrai. J'en refais une. 8 par jour, ça pique. Attends, c'est 8$ par jour? Attends, quoi? Le logiciel, c'est 8 par jour? Waouh, c'est une compétence vraiment cool et puissante, un très bon choix. Mais pour commencer, laisse-moi te présenter ce qu'on appelle le tonus. Va dans l'onglet combattant. Certaines compétences consomment du tonus lorsqu'elles sont utilisées en combat. Le coût total en tonus est indiqué ici. Tu n'as rien dépensé pour l'instant. Choisissons une compétence ayant un coût en tonus. Là, chaque round te coûte des points de tonus. Pour récupérer du tonus, tu dois t'entraîner. Ah ouais, c'est dur ça. Et attends. Chaque coup de pied, c'est 13 d'énergie? C'est pas possible. Ça me paraît abusé, genre. T'as pas unlock un modificateur? Si, non, mais de toute façon, on verra bien quand on sera devant le combat. Merci Lord Yellow pour les 23 mois de T3 et Akumakure pour les 77 mois, des bisous. Bon, demain c'est jour de match. Passe de neuro-entraînement logiciel. Attends. Donc là, ça m'a retiré 8$, j'ai pas vu. Passe de neuro-entraînement. Accro au neuro-entraînement, tant mieux. Ah oui, ça me l'a désactivé parce que j'ai pas 8$. Bah après c'est bien, là je l'ai utilisé au bon moment en fait. Juste pour l'activer, il faut payer en fait. Ok. 8$ par jour, c'est cher. Hein. Par contre, c'est validé que je suis 4-10-5. Ce serait peut-être pas mal d'essayer de monter les autres stats aussi. Hein. C'est pas 13, mais tu dépenses 11 d'énergie. Mais attends. La taekwondo. Le coup de pied haut, il dépense 6 d'énergie. On est d'accord, 6 de trucs verts. Le coup de pied tournoyant... à la tête, lui, dépense 13 d'énergie. C'est énorme. 13 en tout. Et il prend 2 points d'action aussi. Donc, en fait, il faut faire ça. Il faut mettre 2 coups de pied tournant à la tête. Ça prend 2 points d'action. J'ai 4... Maintenant, j'ai 5 points d'action. C'est 11 l'éclair.
Non, c'est 11 d'éclairs plus 50 de score de force, donc 13. En fait, tu dépenses 13 en tout. C'est comme les dégâts, c'est 13 plus 20% de mon score de force, et 20% de mon score de force, c'est pas assez pour augmenter les dégâts. Un monde où je me fais fumer, là. Hein. C'est après le égal, ouais, ça. La compétence est malusée par la force, ouais. Ouais, donc en fait, c'est important, l'agilité, de pas avoir trop de force. 13, c'est les dégâts. 13, c'est les dégâts et l'énergie. Là, par exemple, un autre coup de pied, il fait... Lui, il fait 7 de dégâts, 6 d'énergie. Ah, vous voyez pas, là, parce que c'est sous la cab. Là, vous voyez bien, attendez, si je mets un coup de pied haut. Vous voyez bien ici que lui, il fait 6 de force, 6 d'attaque plus 25% de mon score de force, donc il fait 7 d'attaque en tout. Et pour l'énergie, il coûte 4 plus 55% de mon score de force, donc il coûte... À balancer un coup de pied, ça coûte 6. C'est dans la logique, ouais, si tu go flex, bah les muscles te pénalisent. Ouais, ça a du sens en vrai. Pour un build agile, si t'es trop musclé, t'es pénalisé par la force. De la même façon, j'imagine que les coups de poing... Alors les coups de poing, ouais, de base, en fait, si t'es musclé, tu prends cher sur l'énergie, quoi. En fait, faut pas être trop musclé quand t'es sur le taekwondo, quoi. C'est quoi le moins 2 en agi? Je vois pas le moins 2 en agi, là. Ah ça, bah ça, c'est le tonus. Utilisé avec des compétences spéciales durant un combat récupéré lors de l'entraînement. Ça, j'ai pas encore tout compris, en vrai. Le tonus, le jeu l'a expliqué juste avant. Ouais, mais c'est pas... On n'est pas... C'est pas clair. Genre, il parle de round et en même temps, il parle d'autre chose. Bon, il faudrait que je fasse quoi, là? C'est à 6h que je peux me battre. Il est 2h du mat. J'ai pas d'argent, donc aller faire des nouilles, c'est un peu plan cul. Faut que je m'entraîne, en fait. Faut passer le temps en m'entraînant. De 10, mais à chaque fois que tu lances une compétence, tu perds du mana. Tu sais qu'il n'y a plus de bouffe. C'est moi. On teste, on verra bien de toute façon. Donc je pars double coup de pied tournant. Alors qu'est-ce que c'est que les modificateurs? Modificateur d'attaque a une faible chance de repousser l'adversaire, énergie égale 1. Ah mais ça coûte 1 d'énergie en plus, mais mon énergie elle va se vider comme jaja en fait. Oh les dégâts par contre. Bah vous voyez, j'ai toujours 10 d'agilité, mais par contre, mon tonus d'agilité, j'en perds 2 par round. Et j'imagine qu'en gros, ma barre correspond à mon niveau, donc je suis 10. Et si entre chaque combat, il faut que je m'entraîne pour récupérer mon tonus, je crois. Par contre, quand ça arrive dans le blocage, ça fait pas si mal. Hein. Quel bâtard. Là, mon énergie, c'est chaud. Comment ça, 3? Ah, je vais le défoncer, hein, mais... Il est trop chiant avec ses blocages, lui. Hein. Et là, pourquoi je lui ai mis qu'une... Putain. C'est pas sérieux. Faut que j'ai l'avantage, hein. Ok. C'était chaud, hein. Si, Danny, pour les 2 ans de prime, ça va pas trop chaud. Si, il fait chaud de ouf. Minute, ah putain, j'ai pas eu le temps de lire. Tiens, quand ce type m'a collé une rouge chez Apu, il y a 20 ans de ça. Ah, mais c'est un mec du 1, lui.
Vous n'êtes pas quelqu'un qu'un minable figurant. Vous êtes le point de la nuit. Qui ça? Mais comment est-ce possible? Minute. Félicitations, il était grand temps que quelqu'un lui donne une bonne leçon. Silver, je dois lui parler. T'en fais pas, tu le reverras bien assez tôt. Les gens comme lui finissent toujours par repointer le bout de leur nez. Ok, donc j'ai gagné beaucoup de réputation, c'est clair. J'aurais 253 de... Donc ouais, pour la voix du singe dansant, on attend ça. Avec impatience. Ouais, se faire malaxer un petit peu là par Docteur Trifouille. Mais là, il va falloir bosser. Hein. Il va falloir refaire du pognon. Là, j'ai plus d'argent. C'est l'enfer. Là, je pense qu'on va couper là pour la première VOD. On va en enregistrer une deuxième, mais... après avoir tué Uei... Hein. Où est-ce qu'on en est après avoir tué Uei, là? Les quêtes. Ok, donc Uei me débloque pas une quête d'après, mais j'imagine que là, il va se passer des choses. Il va se passer des choses maintenant qu'on a terminé ça, parce qu'on est au bout de tous les arcs narratifs. À part, bon, les cassettes, on peut toujours avoir une cassette supplémentaire, même si là, c'est pas indiqué qu'on a un arc supplémentaire. Bon, on va faire comme ça. Et il faut qu'on augmente aussi, il faut qu'on fasse le combat de passage aux nouilles level 3 aussi. Au revoir YouTube. Trouvez un Punch Club 2. La dingue.